Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Pile Bill, j'espère que vous allez bien, salut Vitini. Bon appétit à toi, comment vas-tu? On va continuer notre aventure sur Chicory, une aventure haute en couleur. J'ai un petit peu peint le menu, il y a moyen de peindre le menu là, donc je me suis un peu amusé. Alors, on doit faire de souvenir les quatre épreuves restantes, enfin. On en a déjà fait une avec l'académie, donc il nous disait qu'il nous restait 4 épreuves à faire normalement aux 4 coins du monde, du monde de pique-nique. On a fait normalement Bain-Marie, on avait fini, où il avait fallu escalader la montagne. Il faudra aller en bas à droite, en bas à gauche, ou quelque part plus ici à mon avis, et là-bas. J'espère que vous êtes prêts. Alors, tu es malade. Ah, ça c'est moche. Ça c'est très moche. Et la matinée a été agitée. Mais ça va. Et toi, ben, ça va très bien. Je ne suis pas malade. Et comme... Ah oui, non, c'est vrai que j'avais déjà peint là. Et comme tu sais, j'ai eu ma petite ligne hier. Ma première ligne. Donc, ça va très bien. Non, et puis la matinée, c'est bien passé. Il n'y a pas moyen là que j'aille... Ici, là? Ah, si, nager, mais je sais nager dans l'eau, mais je sais pas encore escalader. Est-ce que je vais savoir. Est-ce qu'on va savoir escalader les cascades? À un moment donné. Parce que là, y a quelque chose, hein. C'est forcément. Y a forcément quelque chose. Ah, il y a peut-être. Peut-être moyen, là. Il y a peut-être un mouvement un monde dans lequel ça passe, un truc. Non, ça passera jamais. Ça ne passera jamais. Mais il y a peut-être un moment dans lequel il y a moyen d'aller là-bas quelque part plus tard. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va sauter, on va descendre, c'est pas grave. Allez, mais il n'y a pas un... Ah ouais, mais non, je suis en haut de la montagne, là. Je suis en haut de la montagne. Donc je suis pas encore tout à fait à Bain-Marie. Wouh. Enfin, j'espère qu'il n'y avait pas grand-chose n'empêche dans ces dirottes. Hop, il y a un banc quelque part. Il est censé avoir un banc quelque part. Voilà, ça me permet de remonter. Il y a un banc. Enfin, j'espère qu'il y a un banc quelque part dans le secteur. Oui, plus loin. Par là-bas. Ah, tu as le droit aux gendarmes dans ton bâtiment ce matin à 3 h. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez fait les fous à tous les queues. Mais qu'as-tu fait? Quelle folie de ton corps as-tu fait cette nuit? Pourquoi donc? On s'est fait intercepter pour des renseignements quand à moitié partait bosser. On peut pas se lever tranquille, non. Et puis la police à 3 h du matin là. Ça fait tôt. Hein. Si elle t'embarque comme ça, c'est pas avant 5-6 h, hein, je crois. Elle a pas le droit. Hein. Avant de t'emmener au poste plus tôt. Mais j'ai pas été au poste. Non, c'est. Ça a dû être impressionnant. Là par contre, j'ai pas dû voir. Peut-être moyen de par là. Bon, plus tard. On ira plus tard. Je peux nager dans l'eau maintenant, donc on peut aller vers le sud ici. On peut aller au sud. Ah. Ça fait un peu mal ce petit truc épileptique là. Le fait que ça crache me dérange pas trop, surtout qu'on n'a rien fait. Mais le. Les petits flashs, les petits flashs que tu te prends dans la gueule avant. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Du coup, des renseignements, vous avez donné l'adresse du dealer, évidemment, parce que tu la connais, tu connais le dealer de ton bâtiment, évidemment. Et tu lui dis, vous lui remettrez le bonjour de ma part, hein. Ça c'est pas... Si tu as dit ça au policier, après, ça n'a pas été malin, hein. Parce que il va savoir que c'est toi qui l'as dénoncé. Ça, par contre, ça fait peur. Ça, par contre, ça fait peur. Non, ça va. Je sais pas pourquoi il a... Ça, par contre, ça fait très peur. Ça fait très peur. Ça fait très très peur. Je sais bien que vous avez rien fait. Hein. Quelqu'un de notre étage apparemment s'amusait à traîner les meubles chez lui et son voisin du tout a pété un plomb. Bah, tu m'étonnes, à cette heure, s'il le fait à cette heure-là. Hein. Il est venu tambouriner à sa porte à 3 h et gueuler dans le couloir comme un putois. Ça, on l'a entendu, mais bon, on se levait, donc ouais.
Putain, enfin, du coup, ils bougent les meubles pendant la nuit, quoi. Ça se fait pas, hein. Tu fais ça en journée. Oui, ça fonctionne, ça ne plante plus. Merci à toi, Monkey, pour le réabonnement. Merci à toi pour ton 13e mois. Ça fait plaisir. Comment vas-tu, Monkey? Bah, attends, es-tu bien là? Où est-ce ChatGPT qui l'a fait pour toi? À tous les coups, c'est ChatGPT, j'en suis sûr. Mais y a pas de souci. Merci Monkey, merci, ça fait extrêmement plaisir. Mais bizarrement, c'est bizarre que ça soit peint bien comme ça là. Pourquoi juste ici, là, une bonne coupure comme ça là? On a l'impression que la peinture elle a bougé de la toile, ou la toile a bougé. Bah, ça va très bien, ça va très bien. On avance sur ce jeu, ma foi, fort, fort sympathique, fort agréable. Non, on va quand même. Mais on mettra un peu des nuances. Ah, voilà, encore trois nuances de bleu là. C'est pas ouf. Moi, j'aime pas quand c'est les mêmes nuances. Je préfère quand c'est quatre couleurs bien différentes. La grande tasse. Ah, la grande tasse, bien sûr, bien sûr. Des petits poissons, certainement des carpe-coeil, j'ai reconnu. Des déchets, c'est vrai qu'il y a des déchets dans ce jeu. Ça va être beau hein, quand je vais devoir re-suivre le guide pour retrouver tout ce que j'ai lu. Ah, voilà, notre ami Chicoré est bien là. Alors, du coup, quelqu'un a appelé les gendarmes. Pour être honnête, on a régulièrement du bazar la nuit dans le bâtiment. Froid. Mais ils se déplacent pas à chaque fois. Ouais, après, faut voir si c'est un nouveau qui a. Une personne qu'ils n'ont pas l'habitude de les appeler, ils viennent. Ils viendront une ou deux fois pour cette personne et après ils reviendront plus. Hein. Comme d'hab. Est-ce que tu as déjà appelé la police de ton côté pour des soucis dans le voisinage de l'immeuble? Visite un petit peu d'abord l'île un petit peu là, avant. Ça va être donc la nouveauté du bousin. Non, bah alors voilà, on a visité. On peut parler à Chicoré pour avoir la troisième épreuve hein, finalement. Ah, quoi de neuf, Monkey? Ça fait un petit temps qu'on t'a pas vu. La tasse, la tool assisted speedrun, pour moi, enfin, ça serait plus au masculin, mais ouais, c'est le tool assisted speedrun, hein, pour moi, le tasse. Te voilà, Frite. Ah ouais, Frite, c'est vrai, je m'appelle comme ça, quel beau nom, quel beau prénom. Quelles sont les nouveautés de ton côté, Monkey? Ça fait un petit temps qu'on t'a pas vu, donc quoi de neuf de chez toi, de par chez toi, à quel jeu joues-tu? Il y a vraiment une épreuve dans un coin aussi reculé? Ouais, bienvenue sur l'île flottante. Le but de cette épreuve, c'est de tracer son chemin en tant que peintre ou un truc dans le genre. Trouver cette île, ça n'est que la première étape. Il y a plein de vieilleries laissées ici par les peintres. Tu devras réussir à atteindre le cœur de l'île. Et pour le reste, je te laisse te débrouiller. On se reverra là-bas. Mais comment elle y va? Elle fait son pinceau. Elle est forte. Hein. Bon, tracer. Tracer des lignes. Genre, est-ce que. Ah, ben non, ça va pas là. Hop. Regarde là. Hop. Ah, flûte. Flûte, flûte, flûte. Flûte, flûte, flûte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? Quelle magnifique texture. Quelle magnifique ambiance. Faudrait peut-être. Ah ouais, j'ai toujours ce motif-là, là. Non, faut le changer, le motif de fleur. Même si c'est vrai qu'il était là pour nous indiquer des choses. On va mettre des motifs comme cela. On peut changer aussi. Vois pas la différence. ouais, c'est ça. Tool Assisted Speedrun, effectivement, pour aller le plus vite. Ah, mais là, il y a des points, là. Je viens de les voir, les quatre points. Et blancs. Qui ont certainement un rapport avec les.
4 surfaces ici. Peut-être essayer de ne pas peindre, genre peindre un peu l'extérieur mais pas l'intérieur. Je sais pas. Donc il reste blanc les peints. Bon, moi qu'il faille plutôt peindre l'intérieur et pas l'extérieur. Ou peindre en tout cas au moins les 4 carrés ici. Même si c'est des rectangles, vous me direz. Et là ça ne fait rien. Hein. C'est un échec cuisant. Voilà. Alors descend pas par contre. Et c'est gênant. Ah mais là, il y a de la peinture. C'est gênant là, ça veut pas redescendre. Est-ce qu'il y a un peu de peinture là? De couleur. Allez. Ah mais oui, là par contre après je peux grimper ici. Si je suis ici je peux grimper là. Il n'y a pas de souci. Mais faut grimper là-haut quoi. Là je peux pas sur cela. Là je ne peux pas. Pourquoi c'est grimpé pour ça? Ça ne redescendra pas. Hein. Peut-être que. Mais ça m'étonnerait. Non, c'est pas les rectangles qu'il faut pas. Ah oui, non, c'est vous, c'est les cercles, bien sûr. J'avais compris, hein. J'avais compris, hein. C'est faux, bien sûr. Ça, c'est trop loin. Mais c'est trop loin, les machins, en fait. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin, hein. Même. Ah oui, je peux faire ça. Ouais, je reviendrai plus tard. Quand j'aurai un super saut, bien sûr. Est-ce que je vais avoir un super saut seulement? C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est toujours un peu complexe, hein, cette boule. À manipuler. Il faut réussir à manipuler la boule. Vous voyez, je suis pas doué. Alors, tu es sur Rainbow Six, te manque deux trophées pour le platine et voilà. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Jeu multijoueur. Alors, ouais, le voisin s'est calmé, mais attends. Mais le voisin pile dessous chez nous, sur 5 ans que tu as vécu ici, les 3 premières années, il mettait de la musique à fond la nuit, au point de faire trembler les meubles. Ah oui. Suffisamment pour faire tomber des trucs chez la voisine. Ouais, non, c'est bien fort. On n'a jamais appelé, ta moitié disait qu'il se déplaçait plus parce qu'il s'en foutait de toute façon. Ouais. Bah, peut-être pour appeler pour d'autres choses, mais ouais, après, ça, c'est vrai que c'est quand même pas sympa de la police de pas venir. Des trucs comme ça, allez, il y en a qui essaient de dormir quand même. Surtout si tu dois te réveiller à 3 h du matin, t'aimerais bien pouvoir dormir la nuit. Ouais, j'avoue qu'avec les machins, j'ai pas vraiment regardé si ça bougeait en fait. C'est vrai qu'il y a des chats qui se cachent. Il y a des chats et des détritus, des ordures. Enfin, je pense pas qu'il y en ait. Je pense pas qu'il y en ait. Là par contre, il y a des lignes. Je le vois bien. Toi tu fais quoi? Tu m'emmènes où? M'emmène là. La ligne, on peut pas la peindre. D'accord. Au moins comme ça, je vois les lignes. Il y aura le boutonio là. Il faudrait pouvoir taper. Hein. Il faudrait pouvoir taper, mais c'est un jeu pas violent. Enfin, si on peut taper en bas, en les combats. Là, il y a un cadeau évidemment. Alors, si. Que toi de toute manière. Tu fais quoi? Tu bouges. Tu bouges lui. Ok. De toute manière, ça m'emmerde un peu. Hein. Ah mais non. Comme ça, après je fais ça, j'arrive ici. Et il me faudrait tac et tac. Par exemple, pour essayer de récupérer le cadeau. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen? Ah ouais, mais non.
me bloque là. Oui, effectivement, ça me bloque la sortie. Pour le moment, c'est pas ouf. On te vide, toi. Comme ça, on refait tac. Non, on se met dessus. Je saute là. Je passe pas, bien sûr. Je passe pas, bien sûr. Est-ce que... Oui, ça passe. J'étais point sûr que ce saut fonctionne. Alors, on obtient un chapeau de paille. Ah, c'est moi, Monkey D. Luffy. C'est moi, c'est plus toi, Monkey, c'est moi, maintenant, Monkey. Alors, un peu chaud pour platiner, car il faut gagner 4-0 en classé. Ça dépend avec qui tu tombes, ouais. Et contre qui tu tombes aussi. Ouais, courage, courage. Hein. En tout cas, à toi pour ce platine. Ouais, du coup, c'est bien les petits ronds. Depuis qu'il a changé de meuf, il est moins con. C'est vrai, en plus. Comme quoi, hein, c'est les filles qui rendent un mec con. Hein. La preuve, hein, c'est à cause de vous, mesdemoiselles. C'est pas moi qui le dis, c'est Vitini. faut pas le prendre mal. Hein. Par contre, du coup, le switch. Moins que. Voilà, quoi. C'est pas moi qui ai la DR. Hein. Ouais. Ah, ça, je peux peindre ici. Ah, magnifique couleur. Magnifique couleur. Alors, t'es sûr que tu peins mon motif, là? Là, tu... C'est quoi, là? Tu peins pas mon motif, hein? Voilà. Voilà, un peu de couleur. Nom de diable. Ah, d'abord une ordure là-bas. Une ordure là-bas, comment faire? Et il suffit de... Tac, voilà. Merci l'ordure. C'est bien de toi que je parlais. Tu t'es reconnu l'ordure, certainement. Ah oui, non, toi d'abord. Non, pas toi, comme ça. Hop. Y a pas d'arbre qui bouge, hein. On est d'accord. Hein. On n'en voit pas. Hein. Y a pas de chat hein, pour le moment sur cette île. Est-ce qu'il y aura seulement un chat sur cette île? Alors, tu es souvent à 3-0, mais ensuite tu perds. Ah, et tu. Il faut le gagner 5 fois ce. Il faut gagner 5 parties 4-0? Ah, purée. Courage, courage. Et pour l'autre trophée, c'est 10 victoires en escouade, donc jouer en escouade, ouais. 10 victoires en tout, donc pas forcément d'affilée. Après, ouais, en faisant des parties, ça devrait potentiellement arriver un jour. Plus courage, courage en tout cas. Alors, tu l'as jamais croisé, mais t'es à moitié, oui. Et apparemment, c'était une sacrée casse-pied. Mal aimable, égoïste, elle faisait autant, sinon plus de bruit que lui, se tapait dessus et se jetait des meubles à la tronche. Ah ouais, des meubles carrément, il y a des gens, je te jure. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Ah ouais, c'est ça que ça fait, ça. Attends. Ah! Tu remontes, toi, d'accord. Ouais. Alors, si je vais là, est-ce que je vais devoir sauter? Non, ok, je vais peut-être quand même devoir te grimper. Sans te parler. Ah, mais je peux faire ça aussi. Est-ce que... Ah non. Ah ouais, non, c'était pas prévu, ça. Ça, c'était pas prévu. Mais là, on est d'accord que... Ouais, on est d'accord. Ah, ou alors je vais de... Ben non, ça va pas changer grand-chose. Parce que si je le monte, la plateforme, j'arrive pas à sauter sur le champignon, donc j'ai pas le cadeau. La plateforme est obligée d'être en bas, mais là j'ai l'impression que le champignon, j'arrive pas quand même. Ou alors... Peut-être que en revenant du bas et puis en étant là, enfin, je sais pas. Peut-être que. Hop. Hop. Parce que même comme ça, je pense pas que je saute avec le champignon. Hein. De celui-là, j'arrive pas à celui-là. C'est trop haut.
Ah, il manque un chouïa, hein. À moins que... Enfin non, je passe pas de là. Par là, je passe pas. Et j'ai envie de te dire à quoi il sert cette plateforme finalement. Elle sert pas à grand chose. Elle est pas utile. Enfin, pour le moment, elle a pas l'air utile. Enfin si, pour sauter dans ce sens-là. Pour faire un gauche. Non, ouais, non, j'ai fait la carte en même temps. Je me suis dit que j'allais peut-être manipuler des choses. Enfin, ça ne s'est pas bien passé. Ou alors j'ai pas eu de bol, j'ai mal fait le... Attends. Hop. Je fais tac d'abord et on essaie de partir vers la gauche directement là. Ah, c'est un échec. Vers la gauche. Tu te fous de moi, hein. Ah peut-être tu veux. En sautant dessus là. Vers la gauche, comment ça se fait que je me suis propulsé le toit? Mais pourquoi tu me propulses dans le mauvais sens? Ah, au moment! Ah, oh, c'est compliqué ce genre de choses, il faut manipuler plein de trucs. C'est pas évident, mais c'est pas mal pensé. Non, non, non. Pas de soucis, pas de soucis. Voilà, du timing à mort, effectivement. Du timing bien sympathique. Après, en partie rapide, ils sont concentrés, les autres, c'est du fun. Donc, dès que t'as quelqu'un, ça va aller vite. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Alors. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. J'ai pas appuyé sur la bonne touche, j'étais prêt, mais j'appuie pas sur les bonnes touches. C'est ça. Ouais! Oh, un cache-œil! Oui, merci, merci. Alors, oui, non, par contre, tac, on a dit tac, non, on a dit tac, en fait. Allez, je vais refaire pareil ici. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Là, on est d'accord que là c'est aussi en hauteur. Oh, je vais devoir refaire un truc bien sympathique comme ça. Je vais devoir aussi le... Prendre mon saut plutôt peut-être. J'ai un doute. J'ai un doute. Attends, je vais quand même vérifier d'abord. On est d'accord. Enfin, j'ai peut-être un peu mal visé, mais on est d'accord. Hop, hop, hop. On manque encore eu de la chance. Mais c'est moi ou il me dégage à chaque fois juste en bas là? Juste un chouïa trop bas. Parce qu'il se fout de ma gueule. Ouais non, il faut que je ringrappe. C'est pour le moment, deux fois qu'il m'a éjecté, il m'éjecte juste ici. Hein. On va dire juste au-dessus de l'arbre là, ça c'est un peu embêtant. J'aimerais bien qu'il me dégage là au bon endroit. Ouais, après c'est moi qui suis dégueulasse aussi là. Mais pourquoi? Je teste avant. Hein. Je teste avant pour être bien en ligne droite, pour pas sauter en diagonale. Mon perso, il saute en diagonale. Alors que juste avant, tu vois bien que je suis en ligne droite. Genre, je suis au milieu, je suis en ligne droite. Et quand je saute, c'est diagonale. Ça me saoule. Ça me saoule. Bon, bah au moins, je reviens là-dessus. Moi. On y est presque. On y est presque. J'ai l'impression que c'est ce que je dois faire. J'espère que je me foire pas.
C'est pas ça, donc c'est pas ça, attends. Y a pas moyen. Ah mais si, il y avait ça, j'avais oublié, j'ai oublié de le repeindre lui, j'ai oublié. Non, non, c'est moi qui ai oublié de le repeindre, je sais pas pourquoi. Je l'avais remarqué, hein, c'est juste moi qui suis idiot, je viens de me lever. C'est faux, c'est faux bien sûr. Je suis pas encore... L'esprit n'est pas encore bien travaillé, il est pas encore réveillé. Mais ça va aller, on va y arriver, on va y arriver. J'ai fini le temple de l'eau de Ocarina of Time avec une Solus, je vais y arriver, hein, c'est bon. Ah là, ils sont, j'étais en train de chercher mes cercles. Ah oui, d'accord. Ok, super. Super, hein, y a du gens bourrés. Hein. Ah. Ah, et ça s'est pas tombé. Ah mais ça va super vite. Mais par contre, je peux faire ça. Je peux faire ça. Par contre, ça va super vite. Et j'arrive pas à la même hauteur. Attends, est-ce que... Ouais, c'est du foncé partout. Et je sais même pas pourquoi je... Ah oui, non, mais c'est en bas que je dois aller. Oui, j'étais en train de me demander où je devais précisément aller avec aussi. C'est là. C'est ça que je dois casser. Ah, c'est con, vas-y, quoi. C'est une boule, ça tombe, hein. La gravité, là, ça connaît pas. Ici, il y a des trucs un peu chiants, mais rien d'insurmontable. Ouais, mais j'aurais peut-être dû venir en deuxième épreuve d'aujourd'hui, parce qu'en première, je suis pas encore réveillé. Autant des trucs du... Enfin, pas forcément ça, mais des trucs où il fallait grimper la montagne, ça va, quoi. C'est des sauts à faire, ça va. Là, il faut réfléchir un peu. Si j'amène là... Et après... Mais je sais pas... Ah oui, et je passe par au-dessus. C'est bon, c'est bon. C'est trouvé. C'est trouvé. Faut juste pouvoir ramener mon caillou, là. C'est par ici. Non, mais de toute façon, ça vaudra pas le live dernier où j'ai essayé de faire bouger la boule via l'insecte, hein. Ça ne vaudra pas ce passage-là. Où j'ai même pas pensé moi-même à bouger la boule. Je te jure, franchement, j'étais. Comment je vais la faire bouger avec l'insecte? Purée, ça va être galère sans. Parce que l'insecte qui suivait la trace de peinture, et j'étais là. Et je vais l'amener à faire bouger la boule sans toucher la boule avec la peinture. Je me dis, mais ça va être impossible. Ça va être la mort. Une mauvaise manip et ta boule a explosé, tu peux tout recommencer. Je me dis, mais quel idiot! Mais quel idiot! Et moi, j'ai failli le faire. Oh! Ah ouais, mais il y avait frites dans l'eau, effectivement. Il y a Chicorée, c'est moi Frite. Oh oui, Frite, ça te dit de me rejoindre? Il faut faire des pauses et se vider l'esprit de temps en temps. Les eaux de la lagune sont douces et bien chaudes, exactement comme dans mes souvenirs. Il y a un volcan, il y a un volcan pas loin. Comment ça se passe, Frite? Tu penses avoir tracé ton chemin de peintre? Bah, un petit peu jusqu'ici en tout cas. Ça avance un petit peu. Je continue de décortiquer tout ça. Avant tout ça, j'étais ton concierge. Donc, quand je réfléchis sur mon chemin, j'ai surtout l'impression d'être arrivé là par hasard. Je suppose que je vais continuer. Jusqu'à ce que tout ça ne me mène quelque part. J'avoue qu'on était là au bon moment. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on était là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Après, pour le moment, ça passe, hein. Alors, quel a été ton chemin? J'avais voulu être peintre toute ma vie. Devant cette épreuve, je me suis senti complètement prête. C'était ma consécration, mon zénith. Il y avait de quoi tomber. De très haut. Je n'aurais jamais pu être à la hauteur de mes ambitions. Se sentir prêt, ça ne veut rien dire. Mais, au moins, toi, tu t'es sentie prête. Toute ma vie, je n'ai jamais su où j'allais. Tu donnes l'impression que c'est facile. Tu voulais être peintre, tu l'as été. Mais je n'ai jamais su ce que je voulais être. Donc comment puis-je être quoi que ce soit? Ah, c'est philosophique comme jeu. Ah, c'est philosophique. Ah, c'est faut réfléchir le matin comme ça, là. T'arrives et hop, déjà le contrôle de philo à 9h du mat sans être préparé, là, sans avoir rien étudié. Enfin, c'est ce que font les gens, hein, sauf moi. Tu me donnes presque l'impression que tu m'en veux de t'avoir couronné peintre.
Non, ce n'est pas à toi que j'en veux. Je m'en veux à moi-même de ne pas avoir été qui j'aurais souhaité être. J'aurais voulu être un artiste. T'as pas révisé non plus Rhapsody, normal, hein, je comprends. Qui révise? Comment vas-tu? Être concierge, ça te plaisait? Hein, en tout cas, être ton concierge, à mon avis, ça lui plaisait. Il y avait certains aspects qui me plaisaient bien. Mes tâches étaient bien définies. C'était super de pouvoir se donner à fond, sans avoir à se préoccuper du résultat. Car au moins, on sait qu'on progresse et qu'on a un impact pas un très grand, mais qui est positif au moins. Comme ramasser des ordures ou retrouver des enfants égarés. Mais j'ai fait ça en tant que peintre, pas en tant que concierge. Enfin, autant des ordures, oui, mais la tour du peintre, mais les ordures que je ramasse dans pique-nique, c'est depuis que je suis peintre, hein. Pourquoi as-tu l'air si triste en disant ça? Parce que ça me donne l'impression d'avouer que je ne suis pas un vrai artiste. Je fais juste des trucs pour les gens. Donc tu aimerais rendre service aux autres? C'est génial de savoir ça sur soi. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Je veux pouvoir vouloir quelque chose pour moi-même, comme toi. J'ai honte. Parfois, j'ai l'impression d'être le dindon d'une farce qui dure depuis trop longtemps. Comme si tu allais bientôt reprendre le pinceau en ricanant. Tu croyais vraiment que quelqu'un d'aussi barbant que toi pouvait être peintre? Attends, je sais que ça n'est pas ce que tu penses vraiment, mais c'est plus ou moins ce que j'ai entendu au marais. Et ça m'est resté en travers de la gorge. Je suis vraiment désolé, Frite. J'aurais tellement préféré que tu ne me vois pas ça. Que tu ne vois pas ça, ouais. Mais tu l'as vu. Mais tu n'es pas barbant, Frite. J'envie ta capacité à être là pour autrui. Et à mon avis, c'est aussi une excellente manière d'être peintre. Car ça n'est pas qu'une vocation esthétique. Il s'agit surtout de forger un monde meilleur pour nous tous. Mais savoir écouter, aider son prochain, moi, ça ne m'est jamais venu naturellement. J'ai déjà assez de mal à me gérer moi-même. Donc ne cherche pas à être comme moi. Je ne suis pas le modèle d'une vraie artiste. Et ça n'est pas en m'imitant que tu sauras être peintre. Bah, on peut juste imiter le style de la peinture, hein. Pas forcément les à côté. Hein. Parce que tu m'as fait un super beau tableau, hein. Niveau artistique, peintre en bâtiment, ben voilà. Voilà ce qu'on va être, peintre en bâtiment, peintre en décor. Je peins les murs, des collines, ce genre de trucs. T'imagines là, les murs, les falaises en France ou les falaises, allez, anglaises. Il y a un mec qui se ramène et qui commence à les peindre. Toutes ces falaises blanches là. Tu le penses vraiment, ça? Tout à fait. Et je comprends bien que tu puisses te sentir carrément à côté de la plaque, mais eh bien, j'ai fait beaucoup de faux pas, hein. Moi aussi, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et pourtant, je suis toujours là. Il faut bien persévérer, non? Ça, c'est toi qui me l'as montré. C'est ce qui te rend meilleur que moi. Ne baisse pas les bras. Ouais, non, c'est vrai qu'on peut continuer à blablater en fait, ou mais là du coup c'est peut-être fini. Parce que j'ai arrêté. Voilà, je ne dois pas baisser les bras, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut avancer avec un Z au début. Ok, toujours en téléphone. Ouais, il y aura pas de. À mon avis, il n'y aura pas de chat par ici. Ouais, on peut peut-être avoir. On avait le détecteur là. Hein. On a le détecteur à chat. Ah, quoique. Ouais, non, mais je suis plus. Je suis pas dans vraiment le détecteur. Je suis dans les épreuves, donc ça compte pas. Hein. Il n'y a pas de chat. On est d'accord. Ah, ouais, je me souviens de ça. Ça, je me souviens un peu de ce passage-là. Chez Biagio. Je me souviens un peu du bousin. Ça n'aide pas spécialement grand-chose là. Attention, peint là. Ouais.
Mais c'est pas forcément mieux. Ah, là, en partant par là, ça en a quelque chose. Si je pense ça, on n'a plus rien. Il faudrait que monter celui-là, on redescend, et puis je monte celui-là. Voilà. Le chemin a été tracé. Y a... Ouais, non, il n'y aura pas non plus de déchets ici. S'il n'y a pas de chat, il n'y a pas de déchets. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Ah, c'est ça le motif. Attends, qu'est-ce qu'on va faire avec ça là? On fait des bêtises, nous. Mais ça. Ah, c'est cassé, on a cassé le mécanisme. Ah, le mécanisme, il est cassé. Ah, moins que. Moins que. Attends. Ce n'est pas la bonne page. Ouais, effectivement. Ah, quelle merdasse. Ah, quelle merdasse. Bon, ces deux-là. Moi, je peux les abaisser. Peut-être un peu trop grand, là. Là, j'ai déjà besoin de passer. Ah, ça, c'est la merdasse, hein, comme ça. Alors, hop. Attends. Il me faut ma ligne. Ouais. Ok. Je peux faire ça. Du coup, il faudrait abaisser celui-là. Ah là, il y a un déchet là. Il y a un déchet juste là. Il va falloir à un moment donné que je le soulève, hein, au moins celui-là, pour traverser ici, pour récupérer le déchet. Attends, tac, ici je vais devoir remettre les deux. Attends, j'ai dit les deux, c'est de là. Non, c'est de là. Comme ça, je passe là, je viens ici, je fais tac. De là, je peux peut-être sauter là. Il faudra soulever celui du dessus. Non, non, c'est toi. Ouais, comme ça, après, j'arrive là. J'arrive ici. Ah ouais, je vais devoir soulever ces deux-là par après. Ok. Ben, normalement, ils sont à peu près tous bons. Hein. Ils sont normalement à peu près tous bons, j'ai l'impression. On peut suivre la route. On peut parcourir le chemin, tenir la distance peut-être. J'ai dit que je peintais après ces deux-là. Voilà, comme ça je fais tac, tac. Et je vais chercher le déchet. Voilà. Par contre, ouais, il y a des déchets, mais il n'y a pas l'air d'avoir de chat. Hein. Bizarre. Bizarre. Oula. Oula, plein de points. On est sur des points de 3 sur 2. Ouais, ah ouais. Ok, attends. Hop, hop. Ouais, mais après je suis embêté là. Bon, on peut toujours faire celui-là en attendant. On verra par après. Alors, on a quoi? Ouais. Ah oui, il y a une ordure aussi à récupérer. Super. Tac. Tac. Voilà, d'abord, enfin une, il y en avait même deux.
Bon, voilà, au moins ça s'est récupéré. Maintenant je peux m'occuper de l'énigme. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Du coup, ça va, Rapso, quoi de neuf de ton côté? Est-ce que tu joues toujours autant à Genshin Impacto? Il se passe quoi si je fais ça? Ça continue. Corée encore. Et de là. Ah, attends, on a. Ça fait tac, 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 tac. Ding, 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 ding. C'est plutôt pas mal, ça s'en va. Donc c'est un. Comme ça. Ces trois-là. On a dit ces trois-là et on est de ce côté-ci. Je suppose que c'est quand même ce que je dois. Ce que je peins, que je dois mettre, j'espère. Sinon, on mettra le reste. Ah, mais non, tu valides tout seul. Dès qu'on a fait, tu valides. Ok. Il a validé, hein, les gens, il a validé, il n'y avait pas besoin de faire d'autre chose. Hein. Par contre, à moins que. Mais ouais, mais là, il y a. Ouais, je peux me balader dans. Ah, mais. Attends, là. Ah, il me manque un chouïa de hauteur. Je sais plus si je vais me balader. Non, sur les murs comme ça. Non, sur le sol je peux, mais pas sur les murs. Pas sur les murs, faut quand même pas déconner. Tu joues toujours la boucle quotidienne. Plus autant. On s'emmerde un peu sur le jeu, mais ouais, au moins les trucs quotidiens et après, passe à autre chose. Mais par contre, je peux faire ça, qui ne me fait pas aller plus haut finalement. Non. Est-ce qu'on refait le même chose là, le timing de dégueulasse? M'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Mais pourquoi ils nous ont l'air de nous avoir mis. Je sais pas. Est-ce que, à moins vraiment. Ben non, ah si! Et après je fais tac. Voilà. Ah, mais du coup il faut remettre de la peinture. Hop, c'est dommage que la peinture elle s'efface. Hop. J'ai peur. Peut-être qu'en en remettant. C'est bon, c'est passé, on compte. Hein. On a un petit peu l'impression d'arnaquer, mais c'est passé. Alors, ils sont où? Ils sont là. Je vais devoir d'abord grimper et récupérer mon cadeau. C'est quoi? C'est toi? Ah non, alors. Si. Redescends, redescends-moi, toi. Y a tout un chemin par ici déjà. Tac, voilà. Redescends, chouillé. Oui. Tu redescends, juste pour qu'on puisse récupérer cadeau. Hop. Par contre, il va falloir te lever, toi, je pense. Pour pouvoir. Et encore. Pas sûr. Voilà. Non, on va te rabaisser maintenant. Et on passe là par ici. Hop. Oh, j'ai pas bien peinté, j'ai pas bien peinté. Mais non, mais allez, là, tu dois tomber, là, tu sors. Tu sors. Eh, tu sors. Ouais, on va mettre ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On met ça. On met celui-là. Pas de soucis. Ah, quoi que ça passera pas. Hein. Il y a un gros truc là, aussi, comme ça. On est éteint, et voilà. On passe. Tu veux. Vivement Fontaine, quoi, c'est. Ah oui, non, des persos de Genshin, oui. Je sais pas, au début, quand t'as dit Fontaine, j'avais sur un personnage ici de Shikuri, mais non, Fontaine, ça fait pas vraiment de la nourriture. Ça fait pas vraiment nom de nourriture, donc ça pouvait pas être vraiment être ça. Alors, on efface un peu tout. Donc, non, Fontaine, nouveau perso masculin de Genshin. Et toi, tu veux liner un une fontaine de chocolat? Ouais, mais alors il faut préciser, bah, c'est comme mes frites, hein, c'est des frites de chocolat en principe. Hein. Enfin, frites en chocolat. Des frites en chocolat. Ou des frites au chocolat. Non, frites au chocolat, je crois que j'avais marqué. Ouais, j'avais mis frites au chocolat. Alors, ouais, maintenant c'est le rayon. Je dois faire le rayon qui doit repasser par ici. Tu es là, donc si on te met déjà toi un petit peu. Parce que sinon on commence déjà pas. Toi t'es obligé de monter, sinon tu n'avances pas. J'ai l'impression que toi aussi t'es obligé. Tac tac.
Non. Peut-être, hein. Ça démarre de là, mais ici ça s'arrête net. Ici ça s'arrête net, donc t'es obligé de le monter, lui. Pour continuer. J'ai envie de dire que ça fait pareil avec lui, sinon ça s'arrête direct. Là, et après ça merdouille là. Où il y a un chemin qui passe malgré tout. Non, c'est vrai qu'il y a tout. C'est le numéro chiant. J'ai bien remis. Attendez, je suis parti ici. Donc là, non. Ça va pas. Souci quelque part. Possible au moins. Ah mais non mais là. Ah mais là ça repart par là, c'est déjà mieux là. Voilà. Ça fait tac. Ça part par ici. Tac tac tac. Ouais voilà, là normalement c'est bon. Par contre ça aurait été bien un petit truc qui dit que c'était bon, pour être sûr. J'ai pas envie de remonter si jamais je me suis foiré. Mais c'est bon. C'est bon. Ah, Fontaine, c'est la prochaine zone. Ok, donc Linné. Et du coup, Linné, c'est un perso ou c'est bien l'un des persos de la prochaine zone? Il illustrerait le trailer. On dirait un acrobate de cirque. Mais est-ce qu'il a un arc? Moi, c'est ce qui m'intéresse, de savoir si ce personnage a un arc. Je connais quelqu'un qui apprécie les arcs et ça lui ferait extrêmement plaisir si c'est un archer. Tu peux toujours envoyer une image, oui. Ah, oula, le retour de ça, là. Ils sont là. Mes petits points sont là. Ah oui, mais non. Plutôt dans ce sens-là. Donc, toi, tu t'effaces. Toi, tu grimpes un peu. Faut mettre de la peinture pour vous. Mais t'es sérieux? Par contre, on a quoi après? Ça, c'est toi. Ouais, non. Tu vas où? Ah, ok, c'est ça que je voulais. C'est vous que je voulais. Non, mais toi, tu t'en vas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Petite boulette. Petite boulette de ma part. Petite boulette sauce tomate, là. Je veux grimper ça. Non, oui, maintenant je fais tac, voilà, j'y arrive. Comme ça, je passe au-dessus. Je fais tac et je suis en hauteur pour être ici. Voilà. C'est ce que je voulais. Pour obtenir un corsaire de pirate, bien sûr. Tout m'a envoyé la photo qui ressemble. C'est. Mais y a deux personnes, Linné est soit un garçon, soit une fille? Ça dépend comme le héros? Un archer pyro comme. Ouah, on va dire. Désolé si j'écorche. C'est sa sœur à droite. Ok, d'accord. Ils ont aucun charisme, les nouveaux persos. T'as envie de crever, tu peux pas. Tu peux pas poulever le Ah, les tenues sont sympathiques. C'est vrai que ça fait un peu chelou là, la tenue du mec.
en... un peu chelou. Enfin, c'est pour être en raccord avec sa sœur, mais... Enfin non, elle, finalement... Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, voilà. 80 018 trucs cristaux là pour truc d'invocation. Et tu peux pas poule, là tu te fous de notre gueule. Alors, va falloir mettre des couleurs là. Si on veut voir, si on veut voir quoi faire, tac tac tac. On va aller par ici, nous. On est ici. Si on fait, si on part comme ça là, hein, on repart là-bas. On revient ici et du coup ça foire. Du coup ça foire. Ça foire. On part là. On vient ici et on lève comme ça, c'est gagné. Normalement on va quand même vérifier mais c'est gagné. Pour s'assurer, hein. C'est gagné. Et on est d'accord qu'il n'y avait pas de d'ordure. Hein. Non, pas d'ordure. Juste des cadeaux. Juste un cadeau. Ça va être dur de ne pas aller chercher tout le monde. T'adores les tenues de type steampunk, Victor de l'ère victorienne, effectivement. Ouais, et tout, mais tout le monde, il a pas une tenue steampunk ou de l'ère victorienne quand même. Ah ouais, non, oui, si tu poules, effectivement, t'auras pas besoin de cracher. T'as tout eu à la sueur de ton stick. Vas-y. Ouais, non, si tu poules pas, t'as pas besoin de CB. C'est si tu veux poule que tu as besoin de la CB. T'as soit beaucoup de chance, soit peu de perso si jamais, si t'as jamais mis un centime. Le Battle Pass et la faveur, ça compte puisque c'est payant. Il a 50 persos et il a claqué juste 50 000 balles. Ouais, ça grimpe. Mais d'abord faire ça en principe. Voilà, comme ça tu passes ici. Et alors, qu'est-ce qu'a-t-on? Et c'est des ordures. On a des ordures ménagères. Ok. Attends. Ouais. Ah, voilà. Ouais, voilà. C'est toi que je... Alors, on est d'accord que pour le moment ça passe pas. Non, c'est toi qui passes. Comment? Comment on dit une tabernacle? Ouais, mais t'as ce petit bout là qui est foncé, qui est bien chiant, hein, qui m'empêche de grimper. Comment ça se fait qu'il y a un petit bout foncé là? C'est pas normal, hein. Le jeu il est buggé, hein. Ah, le jeu il est buggé, hein. Mais non, mais c'est moi qui peux grimper, encore que qui le fait pas. Ah, mais vas-y, quoi. Le seul endroit où j'ai pas peint, c'est là où je peux pas. Non, je passe par ici. Toi tu descends. Toi tu sautes. Toi tu grimpes. Toi tu sautes et tu ramasses. Voilà. Hop. Ah, vas-y là, les sauts, boum. Je me suis pété la jambe, mais c'est pas grave. Ok. Y'a rien. Y'a rien. je suis joueur Day One et je mettais le Battle Pass et les faveurs chaque mois avant. Ouais. Il a mis de la CB, effectivement. Il a mis de la CB. Mais t'as arrêté quand j'ai vu que le jeu n'évoluait plus, ouais. Vu la thématique de Fontaine Pilo, tu penses que toutes les tenues seront un peu typées comme ça?
Les deux. Les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux te réjouir et pleurer en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Sache-le. Je remonte ici. Du coup, non, ça m'embête. Et en fait, celui-là, c'est... Ah non, c'est toi. C'est peut-être comme ça. Là, on est d'accord que... Ah ouais, non, c'est pour aller pareil. Ah mais là, tu vas par là. Mais si je fais ça, non, ça m'embête pas. Ça, par contre, ça m'embête bien. On remonte là. C'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est gagné, dessiner c'est gagné. Ah, éco-responsable, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai ramassé 50% des ordures, il faut sortir du tableau pour que ça soit validé. On a 50% des ordures, c'est cool. Je suis donc une personne éco-responsable, sachez-le, si jamais vous devez vous souvenir de moi. Bon. Tri machin, après je sais pas vraiment si éco-responsable est le bon adjectif pour moi, mais voilà, y en a. C'est juste un trophée, c'est tout. Faut pas se faire avoir. Attendez, moi j'ai peut-être pas forcément besoin finalement de prendre le guide pour un peu retirer le trophée pendant ce temps. Éco, il y avait un... Non. Éco-responsable, voilà, il est là. Hop, 50% et après, c'est tous les ordures. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique, c'est moi que je vous le dis. C'est moi que je vous le dis. Tu peux pleurer de joie, oui, oui, tu peux pleurer de joie, voilà. Pleurer parce que tu vas voir difficilement les tenues et la joie parce qu'il y a plein de nouvelles tenues. Tu es joueuse Day One aussi, t'as pas tous les 4 étoiles, il te manque encore certains d'Inazuma, t'as 49 persos et t'as jamais mis un centime. Tu craqueras le jour où il y aura un skin qui te plaît sur un perso que tu joues probablement jamais, bien sûr. Tu voudrais pas plutôt un skin sur un perso que tu joues que tu joues tout court? Ça serait mieux, comme ça tu le verrais au moins. T'as commencé à décrocher avec la sortie de la CCG. Tu trouves ça inintéressant. Et pourtant, t'as rien contre les TCG en général. Juste là, si les dés ont décidé que tu pouvais pas, que tu pouvais aller te faire voir, bah tu peux aller te faire voir, effectivement. Et du coup, TCG pour moi c'est Trading Card Game. Mais CCG c'est Ninian Card Game aussi? Collection Card Game? Il y a un petit panneau là. Un petit panneau là. Les gens ils ont mis un petit panneau là sur un endroit. Quelle idée de le mettre là, le panneau? Ah, attends, il y a un petit panneau là. Ouais, mais j'ai peut-être pas spécialement envie de descendre tout de suite. Regarde. Je pourrais remonter. Non, ça sera ma sortie, ça sera certainement par ici. Très certainement. Frites! Superbe, cette vue, hein, pas vrai? Est-ce qu'on est à la fin de l'épreuve? Presque. Il te reste une dernière chose à faire. À dessiner, évidemment, le décor. C'est ici que chaque peintre réalise son autoportrait. Ah, même pas un portrait du paysage. Celui qui est accroché dans la tour des peintres. Oh, donc dès que tu te sens prêt. Va vers la toile et peins ton portrait. Tu immortaliseras ce moment. L'instant où tu te dépasses en devenant un vrai peintre. Essaie de ne pas stresser. Ah! 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 Ah, je dois me peindre. Ah, ça, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu de me peindre. Ouais, c'est bien collecting ou au lieu de trading, parce qu'on peut pas les échanger, effectivement.
Ouais, non, mais ça va aller, ça va aller. Ah, du coup, tu peux pleurer pour la prochaine mage de demain. L'event majeur de la mage est basé sur du trading card game. Tu paierais pour un costume sur un perso que tu joues, mais ils n'en sortiront jamais parce que tu joues des trucs qui sont pas assez aimés, tu penses. Ah, c'est pas ce que t'as dit. Je craquerai le jour où il y aura un skin qui me plaît sur un perso que je joue. Ah ouais, virgule, probablement jamais. Donc tu ne craqueras probablement jamais. Ouais, non, voilà, y a la virgule qui fait toute la différence. Toute la différence. Je n'ai point vu, ça change tout. Et dans ce cas-là, toi, tu appelles ça du JCC, un jeu de cartes à collectionner. Mais c'est pas la même chose. Hein. C'est un jeu de cartes. Tu t'attends quand même peut-être plus à pouvoir, hein, si le jeu de cartes classique, tarot, n'importe quoi, à pouvoir. Ou un jeu de triple triade, ce genre de truc, où il y a au moins, on va dire, des cartes plus fortes, plus faibles, ce genre de choses. Pas sûr que, enfin, s'il n'y a pas de chiffres ou de machin, c'est juste des images finalement sur la carte. Est-ce vraiment un jeu de cartes? Alors, je suis prêt. Oui, après, c'est la façon. Soit tu lis en français ou en anglais. Hein. Du moment que rien ne donne de primo en obligeant à jouer contre de vrais joueurs, tu feras l'effort. Sinon, tant pis pour les gemmes. Courage, courage. Et donc, ah, on a quand même un petit. Au cas où. Non, non, mais c'est pas terminé. Oh. Ah, on peut. Mais non! C'est pas pour changer une pose ou j'en sais rien ici. Quoi ça sert là? Quoi ça sert ça? Ah mais si, ça change des trucs. Ça change des trucs. Ouais mais non. On va jamais y arriver. Ouais ça c'est pour revenir en arrière, ok. Ouais celui-là là. Là. Mais c'est quoi, il y a des trucs par contre. Il est content, mais il regarde vers le bas un peu blasé. Mais je vais jamais savoir repeindre ça, moi. On peut essayer de peindre un carré dégueulasse sur fond dégueulasse, là. Mais je vais jamais savoir peindre ça. Faut arrêter de déconner, hein. Et on n'a toujours pas notre trait noir, hein, je vous signale le jeu. Ouais, je lui ai mis une coupe de cheveux en plus compliquée là. Comment tu veux que je gère cette coupe de cheveux, moi? Non, regarde pas vers le bas, ça m'embête en fait. Non, non, mais j'ai dit non, ça m'embête le bas. Non, c'était pas ça, c'était lui. Ah, basique. On fait surtout la tête, hein. Oula, quand j'annule le triangle. Hop, là on fait un peu l'oreille. Hop, voilà, ça c'est l'oreille. Attends, ici on est censé avoir une paire de lunettes, une deuxième paire de lunettes. Bon, on met une petite monture entre les deux finalement. C'est pour hop, paire de jumelles. Hop, ici on va faire la petite mèche. Hop. Ah ouais, non, du coup, il faut que je continue à chouiller quand même. Par contre, ouais. Ah, voilà. Ah, c'est vrai qu'on est ici en descendant. Ouais, bon, ça va pas là. Il y a de la proportion qui est pas bien gérée. C'est pas grave. C'est pas grave, personne n'a vu. Le gros machin, quand même, ici, on remplit. La bouche pas contente. Non, 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 un peu plus haute. Comme ça.
Par contre, faut arrêter de bouger, hein. C'est compliqué si tu bouges. Je ne sais pas peindre le mouvement, voyez-vous. Je suis pas aussi talentueux. Non, 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 c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Ça, c'est le bras. C'est le bras. Ah, par ici, là. L'autre bras. Hop, et on va mettre. Là. Est-ce que j'ai droit à ma palette là? Ouais, j'ai droit à ma palette. Mais je peux pas changer ma palette en plein truc. Bon, mais c'est pas grave. On va mettre une petite image de. À la place de la tête de mort, la tête de mort, c'est la belle tête que j'ai fait. C'est une belle tête là. Ça, c'est la tête de mort, hein. On reconnaît bien la tête de mort. Là, par contre. Ah ouais, mais non, après, ça va être dégueulasse ici, là. Ça va faire. Bah ouais. Aïe, 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 aïe. Oh, on laisse. Ah, il faut un petit peu assurer ici. Un peu de lunettes de soleil, là, tu vois, comme ça, là. Un truc pour faire donner un espèce comme ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a juste ici. Ah ouais, mais c'est vrai que. Il y a un peu les cheveux. Je suis un peu déçu de mes cheveux là. Je suis un petit peu déçu des cheveux ici, là, de cet espace. Un peu foiré, je trouve. Ah, tant pis. Je suis pas content des cheveux. Là, quand tu vois comme ça. Ouais, non. Ouais, c'est pas content. Je suis pas content. Hein. Je suis pas content. Hein. Pas content des cheveux, sachez-le. Ouais, mais c'est bon. La Belgique a un incroyable talent. Et je dessine au joystick, hein, je tiens à le rappeler. ou un jeu de cartes à échanger, ouais. Peut-être. Joueur contre environnement, ouais, mais après ça dépend. Ça dépend aussi de dans quel univers tu es, évidemment, pour les acronymes. Mais tu peux imaginer un JCE, un MMO où tu es en JCE, et la façon de jouer, c'est avec un JCE, quoi. Tu joues avec des cartes dans un MMO, donc il faut du JCE dans ton JCE, là, tu vois. Mais on dit PVE, effectivement, on dit player contre envir versus environnement. En anglais. Mais si on veut franciser la chose, c'est évidemment du JCE. Ouais, non, après, on essaie un peu sur cette première partie, si jamais je dois en refaire une deuxième, de peinter, on essaie de bien peinter, hein, quand même, un chouïa. Beau travail, Frit. Je suis sûr, en comparaison des autres tableaux, là, dans la tour, hein, c'est pas fameux. J'irai ramener ton portrait à la tour des peintres. J'ai hâte de le voir à côté des autres. Il va bien dénoter. Avec du PVE et un jeu de cartes. Il y a des cartes. Ouais, où il y a. Où t'as les persos, peut-être. Enfin, oui, mais. Ah non, à côté des autres, ça va dénoter. Ça va dénoter. On essaie de bien pâter, ben ouais, on essaie de bien pâter. Hein. Moi, j'aime bien pâter. Bien joué, Frit. Ta deuxième épreuve de peintre est terminée. Bon, en vrai, c'est la troisième. Tu en es à la moitié. Tu finiras le reste en un rien de temps. Ça me donne presque l'impression qu'on devrait fêter ça, non? Fêter? Comment? Avec une pinte. On sait rien, moi. Et des zakouskis, là. Des choses à manger, là. Avec un petit barbecue. Mais on n'en a pas la moindre idée. Je n'ai jamais vraiment eu le temps de m'amuser quand j'étais peintre, ni quand j'étais étudiante, ni quand. Bah jamais en fait. Je ne sais pas où les gens vont pour traîner ensemble. Alors, on connaît un restaurant de croûte. Ça va être à toi de choisir. Si on allait prendre du kawa à collation, des torts frits à buffet ou des croûtes à dîner, bah j'ai parlé des croûtes. On va manger des croûtes. Mais ça commence à devenir un peu trop hypé, non? Le restaurant de croûte à dîner, là. Je sais pas, le Kawa, non? Ou on prendra peut-être des torrefies frites plutôt à buffet. J'avoue que les torrefies frites, ça fait longtemps, là. Je les ai bien coloriés, les torrefies frites. Enfin, ça fait longtemps. Oh, oui, ça me va. Mais on pourrait aller à n'importe quel restaurant de ton choix, hein?
Mais ça me va, on se verra là-bas. Bon, ok, il faut que j'aille. Immortalisation, ça c'est parce qu'on a réussi donc une autre épreuve, il y suppose. Sinon, on se fout de ma gueule. On a effectivement fait l'autoportrait de peintre. Moi j'aime bien petit, hein. Cowboy, cowboy, indien, cheval, raccourci vers la plage. Je l'avais dit. Ouh, une bonne chute. C'est une grosse chute, hein. Ça, c'est être une grosse chute. Boum, boum, voilà, hop. Il y a le coquillage, il vit. On a vu le coquillage, il a bougé tout seul. Non, mais il faut que... Il bouge tout seul, les coquillages. C'est honteux. Ça fait peur. Il y a un petit animal en dessous. Vous en faites pas. Voilà, des déchets. Mais c'est qui met tous ces déchets sur les plages, là? Aïe, aïe, aïe. Ah, mais je suis par ici, moi. Je suis arrivé à, genre, à Marie-Gosier, maintenant. Ah oui, effectivement, je suis à Marie-Gosier. Mais il y avait peut-être... Non, mais pas les chats, on va zoomer un chouïa. Mais j'ai mis plein de taches partout, là. C'est une belle couleur. On va voir plus facilement comme ça, là. Pour voir un peu si on a oublié des... Si on voit des ordures. Attendez, mais je voulais visiter là, j'ai pas visité. Enfin, on va aller d'abord à buffet. De toute manière, enfin, c'est à buffet que je vais. On va parler à la chicorée tant qu'on est là pour les torréfrits. Free. C'est en bas, je me semble. Non, ça tue. Peut-être par ici. Ah, c'était plus haut, c'était plus haut. Voilà, là. Ah, il est magnifique, mon torréfri. Tu veux t'asseoir ici? Ben ouais, vas-y, on s'assied là, cool. Donc un peu de couleur. C'est sympa ici. Ici, c'est la boutique de torréfri de mon père. Ah oui, c'est familial, c'est vrai. C'est familial, évidemment, on essaie de faire gagner de l'argent à la famille. On a mangé tellement de torréfri. Oh, le rêve. Non, c'était un cauchemar. Aïe. Aïe, 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 on a bouffé que ça, c'est ça? J'ai toujours un peu mal à y croire. Je suis là en train de traîner avec toi. J'en ai tellement rêvé. Ah, ben, tu sais, moi aussi, j'ai du mal à y croire. Je suis en train de flâner quelque part. D'aussi loin que je me souvienne, tout ce que je faisais, c'était pour devenir peintre. Et dès que j'y suis parvenu, tout s'est écroulé. Pourquoi voulais-tu tellement être peintre? Bah, tout le monde veut devenir peintre à peu près, hein, j'ai l'impression. Tous ceux qui font de l'art, en tout cas, veulent devenir peintre. Je sais pas. Ça m'a toujours paru être une évidence. Et toi, tu n'as pas quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie? Non. Pas vraiment. Ah, me revoilà, moi et mes gros sabots. Je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Non, pas de souci. En vrai, ça me change de d'habitude. J'ai toujours voulu connaître mon but dans la vie, mais je n'ai jamais su comment. Quand je te parle, tout ça a l'air d'être plus concret. Si tu as trouvé ton but, alors peut-être que moi aussi, j'en suis capable. Parfois, je me dis que j'aurais préféré ne pas avoir été certaine à ce point-là du mien. Enfin, d'avoir cru que j'en étais certaine. J'aurais voulu pouvoir envisager d'autres chemins. Je n'ai jamais eu de plan B. Je ne me suis même pas fait d'amis, rien. Et maintenant, au point où j'en suis, c'est dur de ne pas avoir l'impression d'être une ratée. Eh ben, maintenant, tu sais ce que je ressens tout le temps. Ah ah! Mais ça se marre bien, hein. Il se marre. Mais sérieusement, t'es pas une ratée, Chicorée? Je crois que c'est normal de ne pas toujours savoir où on va. Je sais que c'est normal, c'est juste que ça n'a jamais été pour moi. Mais merci. Pour l'instant, je continuerai de vivre au jour le jour. Franchement, ça enlève un tel poids de mes épaules de pouvoir enfin parler de tout ça. Je suis heureuse que nous soyons amis, Frites. Ah, on est amis! Elle l'a dit! Elle l'a dit, on est amis!
tu peux pas le reprendre. Petite indigestion de la famille, mais après, si on a bouffé que des torréfries toute l'enfance, je peux comprendre, hein. Enfin, bien, il peut plus en bouffer, hein. Je suis heureux que nous soyons amis, nous, moi aussi. Ah, elle l'a dit, elle l'a dit. Donner ses données, reprendre ses volets. Ça ne veut rien dire, c'est complètement débile, mais elle a dit, on est amis. Je vais pouvoir l'embêter maintenant qu'on est amis. Allez, on est amis, je vais l'appeler tous les jours, là. T'imagines le truc, quelle horreur. Mais quelle horreur. Allez, là-bas, là. Ah, on aurait dû commencer à peindre par ici. Il y a des trucs par ici, en bas, après. Mais non, j'ai remonté. Et ben ça c'est quoi? Ah d'accord, c'est comme ça que ça s'est arrêté alors. J'ai compris comment que ça s'était arrêté, l'eau de peinture. Ok, et on est bien d'accord qu'on voyait plus rien. Oula, ça me repousse. Du coup, ça fait pareil de l'autre côté. Ah ben non, il y a encore un. Ah mais je me suis perdu dans l'immensité de la mer. Ça me repousse, il y avait encore une case quand même, malgré tout. Ah oui, effectivement, là, oula. Mais alors. Il n'y a pas moyen juste là, en passant comme ça, là. Ouais, voilà. Merci. On vient ici, tu m'as dit que tu me poussais là-haut. Ouais, là, il faut passer comme ça. Pom-pom. Hop, et toi tu me pousses là-haut. Et voilà, merci, cadeau! Oh, le t-shirt soleil! Ouf! Oh, trop violent comme chute. Enfin, on sait nager, hein, c'est bon. Hein. On sait nager le jeu, faut pas oublier. Hein. Par ici on revient. Ah, et là il y a une grotte. Là il y a une grotte sous-marine. Hop, hop, hop. Non, 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 mais laisse-moi tranquille là. Mais c'est qui dort ici là? C'est qui vit ici? On veut des noms. On veut des noms. Merci. Et petit-déj. Mais on n'a pas encore été à petit-déj nous en fait. Parce que mon prochaine lettre c'est là-bas. Hein. J'ai oublié un déchet? Oh, j'ai pas vu. Vite, vite. Ah, je vais y retourner, pas de soucis. On avait prévu le coup. La grande tasse, non. Ah, c'est par ici. Pas sur celle-ci. La toute petite, j'ai pas vu. Là par là. Quelle idée là. Quelle idée d'avoir peinté comme ça. Il y a un déchet. Ah oui, effectivement. Merci. Attends, on va faire un truc comme ça. Et du coup, ouais, on arrive pour une, bien sûr. Alors, si j'avais bien tout pris. Ah, mais cadeau. Et j'ai cru voir un orbe qui bouge. Une chemise d'étudiant. Oui, ça bouge, ça faisait longtemps là. Ouais, tu vas me laisser passer, oui. Mais laissez-moi passer. Buffet, buffet. Donc c'est fait, il faut qu'on aille aux autres. Hein. Réussir à m'en donner à la petit-déj. C'est juste le temps. Ah, c'est juste le temps. Ah oui, non, le temple. Oui, je me souviens du temple. Je me souviens. Le banc. Il est plus par là. Ah ouais, mais l'académie. Oui, mais j'hésite. Hein, tu me fais peur. J'ose pas aller à l'académie là. Enfin, avec ton musée là. Ah, le musée, il est où? Il était où le musée?
Il est à buffet. Non, je suis à buffet. Le musée, il est à dîner. C'est ça, hein? L'académie est à buffet. Ouais, je crois que c'est. Ou alors, non, c'est pas là. Non, c'est pas ici. Attends. Clairière, collation, noir et gosier. Bah, si, ça doit être à dîner. En bas, peut-être. Je sais plus exactement. C'est vous qui veulent là, les tableaux là. C'est-à-dire que la clairière. Ou alors c'est l'inverse. L'académie. Bah non, l'académie elle est pas ici. C'est pas ici que j'ai rencontré Clémentine la première fois. Enfin, hein, la première fois c'est pas ici que j'ai rencontré ma soeur. Hein, c'est quand même à la maison. J'espère. Ça c'est quoi là? Ah, c'est la fin. Ah oui, il voulait la teuf. Lui il fait sa teuf. Tout. Ah, et là. Ouais, l'adulte. Ici, on a fait la photo d'identité. Pour ma carte de transport. Et là, par contre, je vois un petit chemin. Il mène à rien. On va essayer de mettre un tableau. Le fleuriste. Oh, c'est pas ici, il n'y a rien ici. Ah, par contre. Non, mais vos arbres. Si, si, ça bouge. Ça va bouger. Mais il se fout de ma gueule, hein. Voilà, là. Combien de fois il faut appuyer dessus, là, pour qu'il descende. Derrière. Et alors, j'ai perdu l'académie. Non, pas l'académie, l'autre. Le musée, là. Quittez-vous le musée. Où est le musée? C'est pas dans les grottes. Ah, ici peut-être? Ah, en cas, ouais, c'est en cas peut-être. Peut-être un truc en cas. Ouais, c'est ça. C'est pas ici? Y a quoi comme tableau? Et ouais, il y a mon tableau dans le jardin, mais c'était pas mon cours 2 là? C'est un sujet compliqué, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas véritablement préserver quoi que ce soit. Les couleurs s'estompant, les peintres apportent des retouches au fil des ans, mais c'est impossible de savoir à quoi ressemblait exactement l'original. Donc, le style du peintre en exercice va forcément influencer la restauration. N'est-ce pas fascinant? Les peintres ne font pas que créer de nouvelles œuvres. Ils changent constamment notre regard sur toute l'histoire de l'art. Ah, oh, c'est fort, c'est fort. Oh, c'est beau et c'est fort. Ouais, donc c'est un Ronca. Mais j'ose pas suivre du coup. J'avoue que j'ose pas suivre les cours hein, dans l'académie. Le truc par là, on n'a pas vu, mais c'est du vide. Hein. Là aussi, là, comment ça se fait que j'ai rien vu là? Enfin, ouais, je savais pas y aller. Ah, mais non, mais la cascade. Il y a une cascade là, on est d'accord. Par où je veux aller par ici, moi? On peut toujours aller déjà là, collation, vite fait. Regardez plutôt sur ma carte. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Peut-être qu'il y a moyen là maintenant. Peut-être moyen de faire les choses. J'avoue, ces arbres là, ça commence à ça pullue un peu trop là. Hein. Ça on a presque du mal à passer. Faut appeler un élagueur, hein. Ou des bûcherons, ce genre de choses. Faut appeler, hein, les gens. Y avait un chemin ici que j'avais pas vu la première fois. Non, faut sauter. Il va falloir sauter. On a été.
Ouais, ça, ce gros cadeau là, je me souviens de ce gros cadeau. Je me souviens de ce gros cadeau. C'est une gnotte, il faut trouver une gnotte. Voilà, de la flotter, on pouvait pas y aller là avant, maintenant je peux. Ah oui, lui il veut des plantes. Pour son ami, là, mort. Ah, lui, j'aurais pas dû tomber. Ah, mais si, il y a moyen de remonter. Il y a moyen de remonter ici, sur ce petit bord. Il s'appelait Persil, c'était un type exceptionnel, il aimait les plantes. Oui, il était désemparé. Est-ce que, mais. Ah, mais oui, avec. Par ici, tout simplement. Des plantes, j'en ai, hein. J'ai des trucs là. Je vais les mettre là où il y a un trait noir. Un gris. Ou c'est là où je peux pas les mettre plutôt? Ouais. Tiens. Tiens. On va mettre une de chaque là. Oula, des petites pierres. Vas-y, des petites pierres aussi pour faire feng shui. Et une grosse pierre. Est-ce qu'il y a assez? Oh! Ça alors? Tu as aménagé un magnifique jardin? C'est exactement ce que Persil aurait aimé voir. Merci mille fois. Je suis sans voix. Désolé, je. Il faut que je me ressaisisse. Pourrais-tu revenir dans quelques instants? Je pense que ça suffit. Hein. Oula, c'est qui le pastèque là? Tu as effacé les. Ouais, j'aimerais vraiment revoir le jardin comme avant. Hein? Rien effacé. Tu veux que je retire tout là? Tu te fous de ma gueule? Des plantes. Quel bonheur. Ça me donne envie de prendre racine aussi. Il veut vraiment que je retire tout là? C'est ce qu'il veut là? J'ai l'impression. Attends, tu as effacé les couleurs. J'aimerais vraiment le revoir. Ah non, il veut que je peins. Il veut que je peinte. Non, oui, mais non, par contre, après, du petit motif. Des trucs un peu différents. Et j'ai droit qu'à trois couleurs? Ah non, il y a deux jaunes différents. Il y a deux jaunes différents. Oh purée. Ça se voit peut-être pas, hein, mais il y a deux jaunes différents, je vous jure. Ah, ça te suffit pas là? C'est pas mal là pourtant. Hein. Peut-être repartir. Peut-être tout colorier. Merci, je me sens un peu mieux. Cet endroit me rappellera toujours Persil. Et maintenant, c'est un peu comme si d'une certaine manière il était toujours là. S'il te plaît, prends ceci. Oh, un chèvrefeuille, merci beaucoup. C'était sa fleur préférée. Merci. Mais de rien. De rien, de rien. Alors, on récupère un casque audio. Pas d'arbre qui bouge. Hein. Au niveau de la carte, on est là-bas. Alors ça bouge au dernier moment. Là, ça bouge. Ça vient de bouger, là, je l'ai vu. On a tous vu. La pierre qui bouge. Et hop, un chat de plus. Même dans les cailloux maintenant. Alors ici, ordure. Et c'est du. Ça c'est une ordure.
Ah, on arrive à petit-déj. Il y a un courrier, mais je ne sais plus à qui. Ah, le soleil, les vagues. Être ici, ça me donne tellement soif! Je veux une bonne boisson fraîche et vite, mais quitter cet endroit parfait est hors de question. J'ai une idée. Tu pourrais organiser une fête de plage. En décorant ce coin, les gens seront attirés. Et il y a bien quelqu'un qui se ramènera avec des boissons fraîches. Dépêche-toi! Ouais, ils sont relous, là. Mais oh, votre housing, là, n'importe où, là. Et qu'est-ce que je mets, là? Oh, je mets un lit, tiens. Je mets un lit, on sait jamais. Si jamais, là, le roi aura peut-être un lit. Est-ce que ça passe, le lit? j'en ai quoi, 27, je crois, un truc comme ça? Oh, j'en ai... Je sais pas si ça compte ceux que j'ai déjà rendus. Mais tout le reste, j'ai déjà déposé. Bah, tu vas voir un lit, est-ce que ça suffit? Un lit, pas d'éclairage. Ah, j'ai peut-être mis tous les sièges que j'avais dans ma maison, là. J'aurais peut-être dû en retirer. Pas de sono, il y a du sol, là. Un petit tapis cœur, là, au niveau du lit, là. Il y a moyen de moyenner, hein, comme ça. Il y a des murs, mais il n'y a pas de mur. Un petit jardin, ça compte le jardin à la plage ou je sais pas. Je peux lui mettre un gros caillou. Je peux lui mettre un gros caillou. Si jamais elle est chiante, on lui fracassera la gueule. Voilà. Ah, je la vois comme dans un rêve, la fête de plage parfaite. Quelqu'un ramène tout un tas de boissons fraîches. Sauf que mince, ils en ont trop. Et il faut bien que quelqu'un boive ça. Ça va arriver. Il faut juste que tu décores la plage. Ouais, mais j'ai plus de décoration. Il y a tout qui est chez moi. Faut que j'enlève des... Je vais dire des vêtements, mais non, des... J'en ai 28. Faut que j'enlève des objets à la maison, là. J'ai trop décoré chez moi. Mais j'ai pas tout ça de chaises longues, de serviettes et de glacières. J'ai qu'un tapis, j'ai un lit et j'ai un caillou, là. Il me manque des choses. La lettre, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? La plus haute maison de petit-déj. Ok, la plus haute maison. Attends, c'est laquelle? Bon, moi, celle de gauche ou celle de droite? Attends, les ordures, il y a un chat là-bas, normalement. Ouais, il vient de bouger sur celui-là, évidemment. Ah ouais, mais non, mais ça, c'est des ponts. Merci beaucoup, il y a quelque chose là, certainement. Mais il n'y a personne dans les maisons. Enfin, on me dit la plus haute maison, mais c'est pas comme s'il y avait des portes ou je sais pas quoi. À moins que. Sache rentrer là. Ouais, ben voilà, c'est bien une porte. Donc c'est toi qui veux, à hein, tous les coups. Bonjour. Est-ce que tu viens tout juste d'entrer chez moi par le plafond? Bah ouais, il n'y a pas de porte d'entrée, c'est pas pratique. Est-ce que tu es fan de ma chaîne? Ah, c'est quoi encore le nom? Non, je sais pas qui t'es. Désolé. Je me sens bizarre quand je ne suis plus devant une caméra. Ah, du courrier pour moi, ouais, c'est bien pour lui. Oh, c'est un défi. Cette personne prétend être le meilleur joueur de toute la province. Le champion de Mega Mash Sister. Eh bien, on verra ça. Ah, est-ce que tu voulais quelque chose pour te remercier? Ben oui. C'est pas le service public, hein, ici. Tu peux prendre ça, tu l'as en réserve. Tu l'as en double. Ah, une télévision pour jeux vidéo, mais il me faut la console et les jeux, bien sûr. Je vais contacter ce gars-là, c'est sûr. Peut-être qu'on s'affrontera en direct. D'ailleurs, j'y retourne, je suis en direct là. Ah oui, désolé. Ton sac postal est maintenant vide. Ah, va falloir parler à dîner au directeur. Et comment il s'appelait du coup? Teyaki. Voilà. On a le banc, on l'a vu juste en bas, c'est ça? Juste en bas, tant qu'on y est, on va vite se dépêcher de retourner à dîner pour prendre des nouvelles lettres. Pour savoir où il va falloir aller. 4-0, donc plus que deux fois à faire. Courage, courage. Tu vois, ça se fait, Monkey, ça se fait. Tu l'as déjà fait trois fois, tu peux le refaire deux fois. Tu peux les prendre s'ils sont placés ailleurs, ça les enlèvera de l'autre côté. T'as pas besoin de... Ah, pas besoin de faire les allers-retours au cas où.
Après, comme j'ai dit, j'ai pas forcément ce que. Attends, attends, ça c'est quoi ça? C'est une tâche ou pas? J'en sais rien. Ouais, parce que j'ai à peu près tout mis chez moi. Hein. Ouais, par contre, la télé, je la garde pour la maison. Hein. Mais je sais plus ce que j'ai mis avec. Je sais plus ce que j'ai mis chez moi. Hein. J'ai décoré dans... à l'hôtel. À l'hôtel, non, j'ai mis tous les trucs dégueu. Les trucs de. Des insectes. Tout ça, non. Ah oui, il faut que je reste. Faut que je maintienne. Une petite plante d'intérieur. Ouais, ça par exemple, c'est à l'hôtel. C'est pas dit. Ah, je sais plus ce que j'ai mis chez moi. Ouais, de toute façon, j'ai rien en sono là. Il faut de la sono quand même pour la teuf. Siège, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu tout et n'importe quoi. Une table. On mettait un siège bulbe ici. Il y avait un peu trop de trucs peut-être au niveau de l'hôtel. Là, les cœurs, ça doit être à la maison. Ah, ça y est, voilà, il suffisait de trois trucs. La fête va pouvoir commencer, je parie qu'il va bientôt y avoir plein de monde. Et aussi qu'ils amèneront à boire. Ça, il faut partir, il faut revenir, j'en suis sûr. Tu l'as fait sur ton premier... même plus, ça sera mon troisième platine, ce jeu-là. Tu l'as fait sur ton premier compte. Attends, tu l'as fait sur ce compte, si, mais version PS4. La version PS. Hein, attends, comment ça sera ton troisième platine? Ah, attends. Mais c'est là. Tu as déjà fait. T'as déjà joué à Rainbow Six avant? Attends, ça sera ton troisième platine sur le jeu, Rainbow Six. Ah ouais, tu l'as fait sur ton premier compte et maintenant sur tu le refais sur ton deuxième compte actuel, PS4, PS5. Ouais, mais c'est ouais, c'est mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire un déchet ici, par contre, pour le prendre avant d'oublier. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que tu avais un autre compte avant, c'est surtout ça, mais il faut pas oublier comme info. Ça t'arrive de faire attention aux insectes? J'adore les observer comme ces papillons, par exemple. Ils flottent paisiblement, insouciants et heureux. As-tu déjà remarqué qu'ils préfèrent se poser sur des fleurs coloriées? Non. Et est-ce qu'on sait capturer les insectes, les papillons, ce genre de choses? Je ne crois pas, donc ça ne m'intéresse pas comme info. Mais ouais, donc ouais, effectivement, tu connais bien le jeu, tu l'as déjà dosé alors. Tu ne le découvres pas. Alors, que c'est agréable. J'ai vraiment plein de trucs qui me tournent dans la tête ces jours-ci. Des inquiétudes, des doutes, du stress. Mais en étant ici, c'est comme si tout ça disparaissait. Au moins pour un court instant. Et je suis bien content d'être venu ici. Le son de l'océan, le sable sous mes pattes. J'en avais bien besoin. Ah, il y en a un, il veut Ken. Il y en a un, il veut Ken. Il y en a un, il veut Ken, cornichon, là. Il veut, hein. Il a bien compris, là. Il a attiré par gratiner à tous les coups. Il est en train de la mater, là. Rien du tout, lui. C'est génial! Enfin, c'est pas comme si j'avais besoin d'une excuse pour aller à la plage. Mais avec ce que tu as fait, elle est 10 fois mieux. Franchement, c'est génial ici. Je préfère largement les plages décorées. Ah, au fait, j'ai un petit conseil d'ami. Si tu places des sièges quelque part, des promeneurs comme moi s'arrêteront sans doute. Ça pourrait être un moyen sympa de se faire des amis. À plus tard. Allez, cornichon, tu veux quoi? La petite cornichon, hein, tu vas faire quoi de ton cornichon? Sympa cette fête de plage. Il y a tout ce qu'il faut. De l'eau, du sable, des objets divers et variés. On a tout. Je kiffe la plage. Soleil, oh mon soleil, tu m'émerveilles. Ah, et granité, t'as eu à boire? Une fête de plage, pile comme j'en avais rêvé. Mais personne n'a amené à boire! Mon plan parfait tombe à l'eau. Bon, au moins il y a une super fête. Il n'y a pas quelque chose là en... Il faut revenir là.
Parce qu'elle donne pas quelque chose en échange, hein. J'ai pas fait tout ça pour rien, voilà. Oh ouais, c'est super! Fallait que je sorte prendre le soleil. Merci d'avoir aménagé ce coin sympa. Quelle superbe plage! Pouah n'arrête pas de me dire que je devrais sortir plus souvent. C'est dur de me motiver à quitter ma maison. Mais maintenant que je suis là, je ne veux plus repartir. C'est une belle façon de passer un bon après-midi. Merci d'avoir aménagé tout ça. Non mais de rien, de rien. Pas Animal Crossing, t'as pas de filet. Ouais, ben on capture avec le pinceau, j'en sais rien moi, on fait quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y avait une fête dans le coin. Je me suis dit, ça mérite peut-être le détour. Et là, je suis du genre, waouh, c'est trop super. Je préfère les odeurs de mon marais. Mais ça fait du bien de venir prendre l'air marin de temps en temps. Et personne n'a ramené à boire de toute manière, je suppose. Peut-être que j'ai trop chaud à cause de ce bonnet, mais il faut bien faire des sacrifices pour être à la mode. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va ramener. Par contre, raisin là, carrément sur granité, c'est pas ouf. Y a de la place. Non, y a personne qui a ramené à boire et c'est pas grave, j'ai fait tout ça pour rien. Ou alors j'ai pas encore visité assez d'endroits pour avoir des nouvelles personnes pour l'interaction. J'ai bossé sur ce château de sable toute la journée, je sais même pas pourquoi. Ça m'a vraiment absorbé. Tu l'aimes bien? Ouais. Si ça fait que ça, ben nu, ouais, c'est cool. De rien, hein, huître. Je veux devenir chanteuse de pop. Je me préparais pour une audition importante, mais aujourd'hui, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Ah, et tout est en pause. Ah, une mauvaise nouvelle, effectivement, ça c'est dommage. J'ai pas su comment réagir. Donc me voilà en train de faire un château de sable, pour essayer de pas y penser. Jusqu'à ce qu'un inconnu vienne me parler, apparemment. Ouais, mais je t'ai pas demandé ta vie non plus, hein. Je t'ai juste parlé, c'est tout. Faut parler à la tortue. Il faut reparler à la tortue. Mais je peux plus lui reparler. Ah, peut-être là-dessus. Ouais, attends. C'est assez gênant, j'ai mis les deux sièges trop près l'un de l'autre. Il faut que je bouge. La chouïa, ils sont trop éloignés, trop proches l'un de l'autre. Non, c'était dans c'est dans le siège. Attends, je te reprends. Je vais te remettre, mais un chouïa plus éloigné, comme ça, là. Oh, mais elle est pas là, la tortue, elle est après. Et je vais lui parler, elle m'a dit de. Ah, moi, que. Il faudra peut-être. Il aura peut-être fallu que je les mette un peu plus bas aussi, les sièges. Ah, c'est cassé, là. On ne donne plus, là, il change plus. Il change plus, on a tout dit les mêmes, là. Attends, on va mettre déjà un siège plus bas. Pas trop mal. La plante, c'est une plante, hein. Non, c'est dans les objets, je crois. Bon, l'ascenseur là, voilà, attends, on va la mettre un chouïa ailleurs. Elle gêne un peu là, voilà. Ah, mais non, elle est là, la tortue, mais non, mais elle me parle plus, hein, la tortue. Elle admire granité, maintenant, elle est. Dans trois endroits différents. Ah oui! Oh, ok. Ah, style à la fête de l'autre sur le toit à dîner, certainement. Enfin, il y avait peut-être le marais. Je suis pas sûr qu'il était au marais. Enfin, là où j'ai mis les pleurs. Ah, je sais plus ce qu'il y a comme autre endroit. Ouais. Et l'hôtel que j'ai décoré. Mais je pense pas qu'il y... Je suis pas sûr qu'il y aille. Je sais plus, faudrait voir. Drôle de te croiser ici, Frite. J'étais ici pour rendre visite à mon vieux copain Sorbet. Lui et moi, ça remonte à si loin. C'est toi qui as livré ma lettre, hein? Merci beaucoup. Je suis si content de pouvoir revoir mon vieux copain Basilic. Ah oui, on avait livré une lettre. Alors, tu aimes ma galerie photo? J'ai pris tous ces clichés quand j'étais jeune. J'étais un sacré aventurier, tu sais. Mais c'est plus vraiment le cas, et... Tu t'es pris une flèche dans le genou à tous les coups.
Mais franchement, sans leur couleur, ils ont vraiment perdu quelque chose. Mes clichés montraient Picnic sous son meilleur jour. Une province haute en couleurs et magique. Maintenant, mes clichés sont tous en noir et blanc. Je ne veux pas en garder de tels souvenirs. Si jamais tu allais visiter ces endroits, alors s'il te plaît, pourrais-tu prendre de nouvelles photos qui mettent bien en valeur les nouvelles couleurs de préférence? J'adorerais voir à quoi Picnic ressemble désormais. Aïe, ça c'est la tour des peintres. Non, c'est Collation là, on dirait, ou. Ce serait pas Collation là? Bah ouais. Oh purée, c'est quoi cette quête annexe? Est-ce que c'est possible que ce soit en haut de la montagne? Ouais, ça c'est le lac, ouais, le. Enfin. Trinquant, là, le truc trinquant. Le fleuve trinquant. Et ça c'est à Buffet, ça c'est à Buffet. Là, je reconnais. Non, je crois que c'est en haut. Attends, c'est bien à Buffet. Oh, je vais au moment en faire un pour voir. Non, j'ai dit buffet. Buffet. Comme ça, on vérifie bien. Il peut pas passer là où il y a les fleurs. Ok. C'est ici. Il faut mettre de la couleur. Il faut mettre un peu de couleur. Non. Hop. Oh, mais trois nuances d'une même couleur, oh, ça saoule. Y a tellement de couleurs et tu mets des nuances d'une même couleur. Oh, s'il te plaît, le jeu. Voilà, alors, on va prendre une photo. Est-ce qu'il faut aller sur le toit aussi? Même s'il était peut-être sur l'autre côté. Comme ça, c'est bien, on est d'accord. Hein. Hop. On va aller voir. On va aller voir. On va aller voir si ça passe. En petit déj. Ah oui, il faut que j'aille à. Je retourne aussi à la capitale. Enfin, la capitale pour les photos. Pour les courriers. Salut Pada! Comment vas-tu? Est-ce que ça fonctionne ou pas pour ton image, Lo? Non. Attends. Voilà, oui, il faut lui parler. Oh, cette photo! Effectivement, c'est un des endroits de ma galerie, s'il te plaît. Pourrais-je la prendre? Ah, vas-y. Effectivement, on a fait. Oui, merci beaucoup. L'Académie des Beaux-Arts est toujours aussi jolie. Le lierre lui donne vraiment un certain cachet. Voilà, bon, on en a une. Oh. Va falloir s'amuser à ça. Va falloir s'amuser avec ça. Hein. Ouais, il faut mettre des chaises. Donc, ok, mais je vous mettrai des chaises. Jikama, je passais plutôt une mauvaise semaine, mais je me sens toujours mieux aux côtés de Jikama. Ah, je comprends pas comment, mais merci. On fait que traîner ensemble. Parfois, c'est tout ce qu'il me faut. Hein. Voilà, c'est bien. On est d'accord, on est ici. Attends, je prendrais un peu zoomer. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose au-dessus. Ah, mais il va falloir la grotte là. Ouais, non. Ah, mais non, je voulais aller plus vers le bas. Mais non, mais vers le bas, je peux pas en fait. Et vers le haut, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose ici. Peut-être de par là, là? Je peux passer peut-être par ici? Sur ce petit passage là? Parce que finalement, il y a. Je pensais arriver à une épreuve en allant en venant par ici, mais il n'y a pas l'air. Hein. Il n'y a pas l'air. Hein. Et là, il y a quoi? Un magasin à tous les coups?
Tu es Frit le peintre, c'est ça? Je suis... disons juste que je tiens cette boutique de pâtisserie. Oui, disons ça comme ça. Ah, il y a du space cake. C'est du space cake à tous les coups. Ça va très bien, ça va très bien, et toi? Ça avance, FF13, tu l'as enfin fini? Ou pas encore? Au moins l'histoire. T'as un peu de temps pour une petite quête annexe? Ouais, bien sûr. Ça te dirait de me créer une pâtisserie extra spéciale. Bien sûr, sinon on abandonne les gens. Hein. Je peux cuisiner des pâtisseries de toutes les formes, donc propose-moi ce que tu peux imaginer de plus follement délicieux. Bah, vas-y, démerde-toi avec ça, mec. Démerde-toi. Hein. Non, mais j'ai pas fini. J'essaie de choper ma couleur, là, le jeu. J'ai pas fini, j'ai pas encore peint. Voilà. Voilà. Démerde-toi. Oh wow! Les gens vont adorer ce truc. Bon, je vais en faire une fournée. Moi, j'ai hâte de voir la pâtisserie. Hein. C'est, y a pas de relief comme comme mon dessin. L'histoire principale est finie? Cool. Par contre, ouais, le platine, ça va être plus long, hein, avec pour avoir toutes les armes, tous les équipements. Et l'oiseau, il porte mon t-shirt N7. Ah, c'est un bon. Que c'est beau! Merci beaucoup! C'est un peu dégueulasse. Waouh! Cette pâtisserie est vraiment jolie! Je ne peux pas la manger! Impossible de la quitter des yeux! Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une pâtisserie puisse être aussi belle! N'importe quel autre plat me paraîtra bien fade à côté de ça! Tu trouves que la pâtisserie est très belle, tu n'arrives pas à la quitter des yeux, mais pourtant tu lui tournes le dos, hein, sachez-le! Elle tourne le dos à ma pâtisserie qui est la plus belle! Oh là là! C'est pas tous les jours qu'on peut manger quelque chose avec des couleurs pareilles! J'espère que mes tripes vont se sentir comme un arc-en-ciel. Parce que curieux de voir comment ça va ressortir aussi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. Apparemment, on fera rien par ici. On peut toujours tester. Il y a quand même un peu de trucs là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours un chouïa là. Ça, on fait un. Whoop! Un petit passage comme ça pour arriver. Ah ah, je le savais, je le savais, j'espérais bien quand même. J'ai bien fait d'espérer. Une crasse. Ce qui est embêtant là, c'est qu'on peut descendre par ici, mais on peut pas monter. Ah, mais si, bien fait de continuer, c'est bien par ici la suite des aventures. Hey Frit, je sens que ça va être que ça va être une épreuve compliquée pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'avais fait celle-ci en dernier. Son thème, l'élève dépasse le maître. Et ça ne s'était pas très bien terminé. La dernière fois que j'avais parlé à Myrtille, c'était ici. J'aime pas déterrer de vieilles embrouilles, mais je suis sûr que c'est pour ça que cet endroit a l'air si glauque. Il va falloir qu'on l'affronte ensemble, en remontant cette rivière jusqu'à sa source. Mais je ne sais pas remonter les rivières, moi. On m'a pas appris, là. On m'a pas appris à remonter des rivières, moi. Je sais pas faire ça, moi. Y a rien en face. Non, et on voit évidemment les arbres noirs pas très fort, pas fort sympathiques. Parfois embêtant que le pinceau s'accroche à la surface sur laquelle tu es. T'empêche de faire des trucs. Ouais, attends, j'ai bien vu un déchet. Ok, ouais.
quel enfer. Ouais, non. C'est celui du mieux que je voulais prendre. Avec ça, bien sûr. Ouais, comme ça, on fait un peu. Ouais, du coup. Après. Mais non, l'autre, j'ai dit le jeu. Alors, on va me chercher celui-là, merci. On va me chercher celui-là. Il y avait quand même, je disais, une ordure que j'ai vue par ici. Avant d'oublier. Là. Peut-être pas la bonne couleur là, on voit que dalle. Je vois plus rien, je vois même plus. Là, le déchet, on voit plus. Ah, mais il y a des. Il y a des saloperies comme ça. Ok, il y a un cadeau là-haut. Bien voir le petit machin, voilà, tac. Y a des arbres qui gênent un chouïa là, voilà. Il y a des arbres qui gênent, hein. Non, la boulette. La boulette. C'est gênant, là, il y a de la génitude. Il n'y a pas moyen là, ou alors j'ai vraiment pas de bol? Ah non, il n'y a rien. Alors en bas ici, voilà. Voilà, oh là, mais quel chemin de l'enfer! Quel chemin de l'enfer, purée! On obtient le masque. C'est cool tout ça pour un masque Covid. Bravo. Oh, bravo le jeu, tout ça pour un masque anti-Covid. Comment ça se fait qu'il est caché là-bas le masque anti-Covid? Bon, faudrait qu'il soit plus simple, non? Non, il faut que je remonte. Enfin, pas forcément, mais bon, c'est quand même plus simple si je suis déjà par ici. Ça j'ai vu au cas où je tombais, je pouvais remonter par ici maintenant. La milieu, on a dit, enfin la milieu, hein. Et merci pour le GGI. Ah, ici, ça me permet de venir par ici pour récupérer. C'est pas ouf, hein. Pêche. Voilà, je me fais bloquer. Voilà. Et ça passe. Des cornes! Ok, super, super. Ça pour ça, on est d'accord. Avec ce brouillard, ça me cache un peu la vue. Déjà que quand il n'y a pas de brouillard, j'arrive pas parfois à voir s'il y a des chats ou des ordures. Alors s'il y a du brouillard en plus, faut pas compter sur moi, hein. Moi, je verrai rien, hein. Spécialement, je voulais juste que ça peigne. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, ok. Il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc qui m'a fait peur. Voilà, on passe sur l'autre côté.
Il y a une ordure là-haut. Oui, non, comme ça. Merci, je grimpe un peu si tu possèdes le jeu. On monte, ça avance. Un bar compte, attends, vite fait là. Quoi, là, il y a quelque chose ici? Non, il y a rien. Voilà, Chicoré, ça grimpe. C'est vrai que c'est un peu lugubre. Hein. Le masque, c'est dans la poubelle, pas par terre, dans la forêt. Malheureusement, les gens ne sont pas des propres. Ouais, c'est pour pas dépasser, c'est bien, mais par moment, tu voudrais. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un bouton pour avoir le magnétisme et un bouton pour ne pas l'avoir. Pour le pinceau, là. Pour que tu puisses, quand tu veux, peindre un peu de tout. Ça peigne vraiment un peu de tout, quoi. La source de la rivière est juste devant nous, Frite. Tu vas devoir affronter la corruption. Une de ces choses que seul le pinceau peut combattre. Ah, oh, une nouvelle corruption. Désolé. Continue, quand tu te sentiras prêt. Chicoré, que s'est-il passé entre toi et Myrtille exactement? Ah, les pieds dans le plat, nous aussi, hein. Je vais te raconter si tu veux vraiment savoir. Mais quand tu seras revenu du combat, hein, pas avant, hein, faut pas déconner. J'ai admiré Myrtille toute ma vie. Ah voilà, il fait comme nous. Elle a fait comme nous. Elle a admiré le précédent porteur du pinceau. Être son élève, c'est un rêve devenu réalité. Et j'irais jusqu'à dire que nous étions devenus amis. Je ne voulais surtout pas la décevoir. Mais du coup, je devais être parfaite. Le moindre signe de faiblesse aurait pu être la fin de mon rêve d'être peintre. Donc je me suis replié sur moi-même, toujours à prétendre que j'allais bien, même lorsque je n'avais personne d'autre à qui parler. Et je m'en suis sorti, jusqu'à cette épreuve, ma toute dernière. Myrtille savait que quelque chose clochait. Elle prétendait ne pas l'avoir remarqué, jusqu'au moment de passer le pinceau, ici même. C'est à ce moment-là que tout éclata au grand jour. Tous ses doutes envers moi. Cette dernière étape était censée être simple, mais d'un seul coup, elle menaçait de reprendre le pinceau. Je me suis senti tellement trahi, après tant d'efforts, si près du but. Ce fut une discussion intense. Elle tenta de m'arracher le pinceau. Je me suis battu, et puis quelque chose poussa sous nos yeux, juste là. Ce fut la première fois que je vis ces arbres noirs. On ne s'est pas reparlé depuis. Je me suis enfoui avec le pinceau. J'étais certaine de pouvoir tout garder sous contrôle. Certaine que ça ne se reproduirait pas. La suite, on la connaît. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et que toutes ces choses ont poussé ici. Tout est de ma faute. Mais ça n'est pas que toi, Chicoré. Il y a aussi des choses qui sont venues de moi. C'est le pinceau. Peut-être que le pinceau leur a donné forme, mais je regrette de ne pas avoir été plus forte. J'ai laissé tout ça croître en moi. Voir tout cet empoisonnement autour de moi, c'est comme être entouré de mes erreurs. Tu es injuste envers toi-même. Myrtille aurait dû être là pour toi. Personne ne peut être parfait. Ça ne doit pas t'empêcher d'être peintre. Je crois que Myrtille savait que tout ça pouvait arriver. Si quelqu'un en difficulté se mettait à manier le pinceau, il se glisse au plus profond de toi et donne vie à toutes ces choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peut-être que tout ça était injuste. Est injuste, oui, mais eh bien, la vie a été injuste envers moi. Je n'arrive pas à fonctionner comme les gens normaux. Et il faut que je vive avec. Je n'aurais sans doute jamais dû devenir peintre. Mais tu as été génial en tant que peintre. Peut-être que si tu avais été mieux soutenu, toutes ces choses ne seraient jamais sorties du pinceau. Mais Myrtille a rendu ça impossible. Si seulement quelqu'un avait été là pour toi, Chicoré. Ça fait un peu passer, je trouve, le pinceau comme si l'anneau unique ou je sais pas quoi là. Si les gens sont mauvais, c'est à cause du pinceau là, c'est à cause de lui là, que y a tout qui part en couille là. Le pinceau est mauvais. Oui, moi aussi j'aurais souhaité que tout se passe différemment. Je préférerais ne pas avoir besoin d'aide. Je voulais tout faire par moi-même, comme Myrtille. Mais j'ai laissé tomber tout le monde.
Désolé, je... Être ici, ça ne m'aide pas. Je comprends que tu essaies de m'aider, et tu as sans doute raison. Tout ça n'était pas que de ma faute, mais là, je ne peux pas. Continue sur moi. D'accord. Je suis désolé que tout ça te soit arrivé, Chicoré. J'espère qu'en parler, ça t'aide un peu. Déjà l'arbre, effectivement. Bagarre, il va y avoir la bagarre, hein, à un moment donné. Non, c'est pas un truc à bouger. Y a le truc à faire cramer là quand même, on est d'accord. Comme ça, tout simplement. A fire, et on met le feu partout. Mais c'est juste un prix. Je m'attendais à ce que ça pète quand même. Ouais, mais c'est bon, si mon passage principal est toujours là, ça passe, hein. Alors, il y a du feu là. Il pourrait y avoir du fenouil. Mais non. Ok. Oui, ça doit être plus facile à dessiner à la souris, clairement. Clairement, c'est plus maniable, hein. Après, on le fait, on y arrive, hein. C'est sûr que par contre, on fera certainement pas, on fera pas des œuvres d'art, hein. Allez, mais là, la flamme qui se perd et qui reste coincée au même endroit, là. Finalement, en fait, avec ici que je devais venir. Pas bien là. Ok, je suis ici. Une flamme là. C'est moi le coupe le feu, on est d'accord. Hein. Ici que je dois passer, moi. On est d'accord. C'est ici que c'est ça que je dois cramer. Ça doit pas cramer là. Je te dis là, le magnétisme il est un peu chiant. Ouais, bon, mais ça. Voilà, déjà là ça crame enfin. Ça voulait pas cramer avant. Ah, mais par là en bas. En bas, c'est comme ça que je dois passer, idiot. Ah ouais, mais non, mais il faudrait pouvoir avoir une autre torche à un moment donné là, pour pas devoir tout recommencer. Tiens, crame ça là. Le tour par là, voilà. Un peu plus bas certainement. Cramer ce passage là. Ouais, il veut pas cramer là, voilà.
Ça va un cachet de. Enfin, il n'y a pas un endroit où à un moment donné on aurait genre un cadeau. Ou une crasse. J'ai pas l'impression du moins. On ne pense pas. On avance plutôt pas trop mal. Oh, voilà, on est déjà en négatif. On est déjà en négatif. Bientôt combat là. Bien, ça va être combat là. Ouh, chicorée et myrtille. Après tout ce temps, tout cet entraînement, je me suis juste pas assez doué pour toi. Chicorée, ne fais pas ça. J'en peux plus de tout ça. Je te déteste, Myrtille. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je serai peintre. Que tu le veuilles ou non. Et la bagarre. Et la bagarre avec Myrtille. Un peu. Elle est partie. J'ai commis une énorme erreur. Je n'aurais jamais dû. Comment ai-je pu la repousser à ce point? Comment ai-je pu laisser arriver ça? Je suis un monstre! Ouais, t'en as créé un, toi aussi, hein, j'ai envie de dire. Arrêtez là. M'agresse pas là. C'est pas moi qu'il faut agresser, hein, Myrtille. Moi, je suis innocent dans cette affaire. Myrtille, je suis innocent, moi, je suis juste le concierge. Elle écoute pas, hein. Non, elle n'a jamais compris. Toi non plus, hein. Ce que ça a demandé vraiment. Pourquoi j'ai dû agir ainsi? Ça n'est pas de ma faute. Elle est faible. Oula. T'abuses là, je suis pas prêt là. Je sais pas de peinture lurée et peinture lurée le décor en même temps. Hein. Je dois choisir. Mais du coup, sur cette phase, j'ai pas l'impression de faire des dégâts. Hein. Mais ouais, mais je fais pas de dégâts là. J'ai pas le temps, je suis obligé de m'occuper du décor. J'ai pas le temps. Meuf. T'abuses. Faut se calmer, hein, Myrtille. Voilà, c'est gagné. Non. En tout cas, cette phase, ce n'est pas de ma faute. Elle aurait dû m'écouter. Mais alors, pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Est-ce de ma faute si elle est ainsi? Pourquoi n'ai-je pas pu régler tout ça? Ah, évidemment. Mais ouais, non, c'est avant aujourd'hui. Allez. Ah, oui, mais non.
Ah, les cornes, ça te fait penser à la chanson du Bouc dans la véritable histoire du petit chaperon rouge. Je suis pas sûr du coup de la connaître, la véritable histoire. Ah ouais, mais non, mais elle a remis une deuxième vague de blanc, de losange là. J'ai évité la première, mais j'ai pas vu la deuxième. Il revenait. Non, je suis pas sûr de connaître la véritable histoire. Ouais, bah j'ai réussi à éviter, je sais pas trop comment. Mais c'est vrai que je peux rester. Ah oui, non, 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 par contre, faut que je fasse gaffe à ce côté-là, moi. Ah, flûte. Ah, mais non, mais une troisième là. T'abuses là, mademoiselle. Bon, ils sont sympas de mettre des points de passage assez régulièrement, mais les combats sont, on va dire, pas forcément évidents, évidents, hein. Bah, du coup, je me suis fait retoucher là, sincèrement. Un film d'animation. Faire hein, sur la fin, je l'ai vu. Hein. Je voulais juste l'aider. Je voulais qu'elle soit parfaite. Je voulais être son amie. Mais elle est partie. Et je peux rien y faire. Elle est partie. Elle est partie. Chapitre 9, quatrième épreuve. Ça avance, ça avance. Une de plus, plus qu'une. C'est certainement un dénouement final après, au moins. Frite! Frite, réveille-toi! Oh, Dieu merci. Ah, on est revenu sur la plage. Ici, avant. Je t'ai retrouvé en train de flotter, emporté par le courant. J'ai presque cru que... Je suis soulagé de te voir sain et sauf. Si tu avais été blessé à cause de moi, je ne sais pas ce que j'aurais... Je vais bien, je vais bien. Mais Chicorée, ça n'est pas toi que j'ai vu là-dedans. C'était Myrtille, elle. Je crois qu'elle a beaucoup de regrets à propos de ce qui s'est passé entre vous. Ah, ben, elle a une sacrée manière de les exprimer. Hein. Mais ouais, alors, ça veut dire que tout ça vient vraiment du pinceau? Pas que de moi, pas que de toi? Si Myrtille a aussi laissé son empreinte, alors tous les peintres depuis la nuit des temps aussi? Chicorée, je pense que tu devrais aller parler à Myrtille. À propos de ce qui s'est passé, elle. Si elle a quelque chose à me dire, elle peut me le dire elle-même. Oh, zut! Cette épreuve, c'est celle que j'ai jamais vraiment finie, donc j'ai presque failli oublier le rituel à la fin. Le rituel. Le thème de cette épreuve, l'élève dépasse le maître. Tu es censé gagner le respect de ton mentor, c'est-à-dire moi. Et je suis censé t'accepter en tant que prochain peintre. Peut-être avec, genre, une poignée de main, je sais pas. Mais, ai-je gagné ton respect? Frite, tu as gagné bien plus que mon respect. Tout ça est arrivé surtout parce que je n'avais personne à qui parler, personne vers qui je pouvais me tourner. Mais tu as été là pour moi. Tu possèdes une force que franchement j'admire. Et je t'accepte volontiers comme prochain peintre. Non, il y a eu le collade aussi. Bravo, Fritz. Tu viens de finir ta troisième épreuve des peintres. Plus qu'une seule à l'horizon.
Et après ça, il faudra aller affronter cette corruption au sommet de la tour. Hein. Comment te sens-tu? Pas très rassuré, franchement. Ça se comprend. Ça se comprend, effectivement. J'ai mûrement réfléchi à ce que nous devrions faire quand tout sera derrière nous. Tout ça sera derrière nous. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. Je t'attendrai à la dernière épreuve. À plus tard! Eh bien, plus que mon respect, tu as mon amitié. Évidemment. Évidemment. Allez, là, il y a quelque chose, mais il faut que j'aille. Comment je parle où? Alors, par là, je peux y aller, parce qu'il y a, y a une ordure, là. Hein. Mais ouais, mais je... Même de là. Ici, là. Voilà, il faudrait de après ici redescendre. Ah, quoi. Ah, bah, je descends ici. Non, ouais, mais par contre, fallait pas descendre autant, Frite. Faut juste faire un petit saut, quoi. Y a moyen, là, de tempérer ton petit saut? J'ose pas. Alors, allez, merci pour le GG. Fais juste un petit saut. Y a moyen, hein. Moi, mon but, c'est d'arriver ici. Hein. Je veux juste arriver ici. Pas besoin de faire plus, hein, tu sais. T'en fais un peu des caisses, là. Hein. Voilà, comme ça en diagonale, je le savais. Et voilà, je t'ai vu, toi. Normalement ici on va être repoussé ou c'est après. C'est ici. Ici on n'a pas bien vu. Là il ne doit pas y avoir grand chose je pense. On va être repoussé. Ouais voilà. Ouais, je suis un peu trop sur le côté. Voilà, bonjour, je suis revenu au petit-déj. On avait... non, on lui a parlé sur la plage. On lui a parlé sur la plage. Tu m'as dit, il faut aller à la teuf. Mettre des trucs sur la à la teuf. Dans un fond, je retourne à buffet. C'est buffet? Non, c'est pas buffet, c'est dîner. Faut faire la teuf, faut reprendre du courrier. Non. Du courrier. Alors, tu as enfin livré toutes ces lettres, hein? De rien. Bah, tu sais quoi? En voilà d'autres. Renseigner un tas de courriers. Alors, bon, et pour te remercier, tu peux aussi prendre ça. Ah, facteur, vas-y, on porte. Enfin bref, c'est le dernier tas de lettres à livrer. La première est adressée à l'atelier sur la rive du fleuve. Allez au boulot. Ah, au pied de la lettre en plus de ça. Même un petit trophée. Je distribuerai une lettre. J'en ai distribué plus qu'une. Hein. Faut arrêter de déconner le jeu. Merci aussi pour le effectivement. J'en ai fait un peu plus qu'une. Par contre, l'atelier au bord de l'eau, là, c'est pas fameux hein, comme intitulé. Comme adresse. L'atelier sur la rive du fleuve. Après, je sais pas si je l'ai vu. Il y a une rive, il y a un fleuve là. Ça, il est peut-être par ici, là où je l'ai pas vu. Parce que là, il n'y a pas spécialement d'atelier.
Peut-être sur cette partie-là qu'on ne voit pas encore. Là, je pense pas qu'il y ait de l'atelier. Il n'y a pas un autre fleuve. Bah non, il n'y a qu'un fleuve. Hein. Peut-être sur la partie que j'ai pas vue. Tu y allais si tu as le motif personnalisé. Ah oui, c'est vrai que le fleuve y est toujours, donc c'est lui. C'est le créateur de style. C'est vrai que ça reste toujours. Il est toujours sur la partie fleuve. Même s'il est à l'embrasure, on va dire. À l'embouchure plutôt. J'ai fait ça, j'ai dit que je voulais. Oui, la fête sur le toit. Ah, attends là. Non, c'est pas ça. Un mobilier. Mobilier, mobilier, siège. Vu qu'on a parlé à la plage, là, on peut reprendre les mobiliers de la plage, là, on peut reprendre les sièges, hein. Mais il y a déjà deux sièges, de toute manière. Déjà celle-ci. Ah, mais non, ouais, c'est un tabouret, c'est pas une table. Hop. Éclairage. Mais c'est pour un champignon, ouais, ça doit être. Je l'ai mis à l'hôtel. Une table. Comme ça, on pourra y mettre à bouffer. J'ai encore un petit tas. Ouais, j'en ai déjà mis un. Hein. J'avais déjà mis un tapis. J'ai pas de sono hein, pour le moment. Pas de sono, hein. Pas de sono, moi. Hein. On va remettre un caillou. On va remettre un caillou là. Ouais, on va mettre, vas-y, une chèvrefeuille ici. Un petit caillou. Très important, les cailloux. Les grosses pierres au cas où il faut fracasser des gens. Ah, mais oui! C'est bon, la fête est sauvée! Tu m'as vraiment bien aidé! Je suis sûr que la foule va arriver d'un moment à l'autre. Reviens plus tard. J'arrive, j'arrive. Ouais, effectivement, la grenouille là. Non, non, ah, par contre, c'était via là. Voilà, s'asseoir. On parle pas là. Je parle. Alors, j'ai mis trop près le. Trop loin le siège. Je parle pas à l'autre. Il faut juste lui parler comme ça? Ah, voilà, mais je sais pas. Ah, alors ça, j'adore. Hein. Les fêtes sur les toits, c'est toujours génial. La déco est vraiment au point en plus. Je ne pourrais pas imaginer une fête sans tout ça. Merci d'avoir aménagé un endroit pareil. Ah, au fait, j'espère que ça ne va pas te sembler bizarre, mais j'ai fait quelque chose pour toi. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini. Donc la prochaine fois que tu me vois, fais-moi signe, ok? Hé, hey, une fête sur un toit, hein? Ça me rappelle des trucs. Dîner, c'était mieux avant. C'était bruyant, agité, belliqueux et sale. Une petite cité de caractère. On faisait la fête sur les toits et on se bagarrait. Maintenant, tout est propre, bien en ordre, bien soigné. Et plein d'arbres et de gentillesse et d'autres inepties dans le genre. En vrai, c'est quand même assez sympa maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment la liberté, ça? Salut, sympa cette fête. Je suis pas très doué pour parler aux gens. Je me sens juste si pâteau tout le temps. Et merci de m'avoir parlé. Mais de rien, hein. Regardez-moi ça! Ça, c'est une fête! Wouhou! Tiens, je te donne ça. Il manque toujours un peu de musique, je trouve, mais ça fait, hein. Tu as obtenu le canapé. C'est 4 fois qu'il faut lui parler, et pas 3. Aïe, 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 il va falloir retrouver un endroit. C'est mon canapé, enfin, c'était. Maintenant, c'est le tien. Que la fête continue! Heureusement qu'il y a une fête. J'avais besoin d'une pause. Mon travail m'absorbe, c'est une bonne cause qui me tient à cœur. Du coup, j'ai tendance à oublier de faire autre chose. Ok, on a parlé. On va parler. Je suis là. J'ai perdu l'endroit. J'ai perdu l'endroit. Créateur du style, on a dit donc c'est. Là-bas. Et moi, ce que je voulais. C'était. Ben, c'est au niveau du lac, de toute manière. C'est au niveau du fleuve. Au niveau du fleuve, ouais, c'est là.
Donc c'est un buffet, de toute manière. Je voici, on y arrive. On y arrive, buffet. Première lettre, en bas. Faire comme ça. Non. Voilà, toi. Parmentier, voilà, une lettre pour moi. C'est quoi, c'est pour le NPC en lui-même ou c'est pour le nom que c'est le meilleur NPC? Ah, c'est... C'est un peu gênant. Ah, ou c'est pour la lettre. Bon, d'accord, je vais te le dire. C'est ma nouvelle tenue de patinage artistique. Tu vois, j'ai un rêve. Celui d'être patineur artistique. Ou la profession. Je n'en parle à personne normalement car j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais ça ne devrait pas me faire hésiter. J'essaie de ne plus me cacher. Il le faut bien si je veux un jour oser me montrer sur la glace. Faudra, effectivement. D'ailleurs, est-ce que je peux partager autre chose avec toi? Vas-y. Oh, une tenue de patineur. J'avais déjà commandé cette tenue, mais dans une taille trop petite. Mais ça m'a l'air d'être pile la tienne. Porte cette tenue et va au bout de tes rêves. Tu as livré une lettre, tu en as une à autre à livrer, voyons voir l'adresse. Exactement à mi-chemin entre le banc de collation et la maison de Myrtille. Wow. Bonne bouffe plus l'autre. C'est win. Ok. Donc le nom, effectivement, et l'animal. C'est ici ou c'est en haut? Ça doit être en haut. Non. Pas le bon, c'est pas le bon endroit. Je sais pas, je me suis plaint. Non, de toute façon, je vais déjà continuer par ici. Non, j'ai pas encore peinté le truc. Comme ça, je vais arriver à la partie que j'ai pas encore fait du lac. Enfin, du fleuve. Là, là. Je vais pas savoir repasser. Hein. Va falloir passer par là. Falloir passer par là. Normalement, c'est pas un... Ah ouais, mais là, je peux pas grimper. Je peux pas grimper. Qu'il fallait faire. Ouais, la peinture. La peinture, évidemment. Ah, c'est peut-être les, ouais, l'endroit que qu'avaient caché les gens là en haut là. En haut. À Bain-Marie là. Ou à Anka, ils avaient, je sais plus. Il y en a un endroit où ils avaient caché des trucs. Je sais plus où ils étaient exactement. Alors moi il y a là par contre, je vais devoir par le tunnel grignoter apparemment. Peut-être il y a un petit passage que j'ai pas vu. Ah, commode remplie et nous sommes à 50% des vêtements. 50% seulement. Oh, tellement. Il y en a tellement. C'est pas le bon chemin. Il est par ici là. Je sais pas bien où. Collation, ouais. On va continuer à grignoter du coup, un petit peu. Par contre, la maison de Myrtille, là, comme ça, je sais plus exactement c'est laquelle. Ouais, toi, t'as été voir ton pote, t'avais après la lettre que je t'ai redonnée. Alors, bien, enfin, hein, ce tableau-là. Par ici, voilà, ce mur-là, je savais pas. Voilà, le cadeau. Une casquette à l'envers. Hop, ça s'est récupéré.
la maison, est-ce que tu me l'indiques vraiment la maison de Myrtille? Attends, mais t'es pas. Ouais, maison de Myrtille. Voilà, mais on n'a pas bien la définition des cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 pour arriver là, la caverne. Ça doit être aux alentours de la caverne, hein. À mi-chemin là, ça doit être par là, hein. Ça doit être aux alentours de la caverne de Miam. J'ai l'impression. Enfin, si on parle juste en ligne droite, hein, si on parle pas en chemin, c'est. Ça a l'air d'être aux alentours de la caverne. On va voir si on trouve une maison pas loin. La garde, c'est pas la garderie quand même. C'était la garderie. Là, attends, y a des choses par là. Il y a des choses par là. On pouvait pas avant tout ça. Ah, mais si, mais c'est en sautant et en passant, il y avait quoi par ici? Le bois du souper. Ouais. Des doutes. J'ai des doutes, il y a quand même une maison. En principe, faut trouver des maisons. C'est pour vous là. Je dois dire, Fève est une sacrée gaillarde, elle est prête à s'occuper autant d'enfants que possible. Quand j'ai vu le bazar chez elle, j'ai craint le pire, mais elle est d'une bonté inimaginable. Hey, c'est pas toi qui veux du net par hasard? Ces gosses perdus sont un plus gros problème que ceux que je pensais. Celui de Poivre a réussi à se retrouver ici, alors qu'il vit à dîner. Mais maintenant, elle m'aide à les surveiller. Elle est d'une bonté sans fin. Poivre m'a aidé à sortir tous ces trucs pour faire de la place à l'intérieur. Si t'en veux, tu peux te servir. Mais je peux tout prendre, vraiment? Ça remplace pas l'autre? L'ensemble d'antiquités. Ah, mais j'ai cru que ça allait remplacer l'autre, moi, en fait, au début. C'est pas sympa de se débarrasser de toutes ces vieilles bricoles. Ouais, j'avoue, c'est juste que j'avais gardé tout ça pendant si longtemps. Mais c'est plus facile, vu que t'es là pour me convaincre, maintenant. Après tout, j'ai une nouvelle vie. Je dois lui faire de l'espace. J'ai encore d'autres machins à faire valser. Attends une seconde, tu vas pouvoir prendre un ensemble. Ouais, mais d'accord, j'ai cru que c'était pour. La... 25, ah oui, 25% des éléments décor, donc oui, je prends alors. Je prends. Je savais pas que je pouvais tout prendre, moi. Moi, je voulais pas tout prendre, quoi. Je vais surveiller les gosses. 3 de plus et il y aura d'autres bousins. Ah, mais faut attendre, je peux peut-être pas tout prendre. J'aurais dû prendre une déco. Donc, t'es sûr que tu veux pas une lettre par hasard? Poivre m'a tellement aidé avec la baraque, elle a vraiment des doigts de fée. Elle m'a supplié de jeter tous mes vieux trucs dehors, c'est dur s'en séparer quand même, ils sont pleins de souvenirs. Mais bon, vu qu'il reste encore un peu de place, gna gna, 3 de plus, ouais. Ça t'a brisé le cœur, tout le lire, tous ces avis de recherche, tous ces enfants disparus. Oui, je me sentais si mal, j'ai presque dû abandonner ma lecture, mais il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Avec l'aide de Fève, on va s'en sortir. Et... J'aurais presque dit un pied sur la table là, avec les espèces de griffes ici. Mais à mon avis, c'est plus une écharpe. Mais vu comment c'est mis, j'ai cru vraiment que c'était un pied au début. Merci d'être passé, Monkey. Bon courage en tout cas pour tes deux parties de Rainbow Six et surtout. Non, tu l'as pas, mais vous l'avez pas entendu depuis le début là. Mais bonjour de Triss, vous les avez pas entendus, personne pour me le dire. L'huile là, elle va servir à quelque chose. Merci d'être passé, hein, Monkey. Bon courage à toi. Courage pour le taf. Et merci d'être passé. Je suis pas spécialement. Ouais, je suis peut-être pas spécialement bien en plein milieu. Mais vraiment. Maison de Myrtille, hein, d'accord. Hein.
Exactement, un mi-chemin entre le ah, le banc de collation, déjà. C'est le banc de collation, c'est pas ma maison. Voilà, erreur. Attends, le banc, il est exactement là. Et la maison, elle est... C'est ça, là. Faut mettre la règle, là. On met un truc. Attends, là-bas, on est au-dessus du bois du souper. Hein, franchement, on a l'air d'être quelque part par ici. Hein. Il n'y avait pas de maison. Enfin, il n'y a pas de maison là-bas. Si on est en ligne droite, faut voir. On est au-dessus du mot bois du souper. Hein. Il y a une arnaque. Hein. Il y a une arnaque quelque part. Hein. Ici maintenant. Y a personne qui vit ici, on est dans un bois, mec. Enfin, pour le moment. Ici, hein. Donc, il y a une maison ici. Il y a un cadeau. Une capeline ensoleillée. Ah, c'est peut-être ce qui me manquait là pour Avoine. C'est peut-être la capeline. Ouais, je crois que c'est la capeline qu'il me fallait. Mais il n'y a pas de maison ici à qui tu veux livrer une lettre. Les oreilles rusées. Ici, il n'y a rien du tout. Ah, c'est vrai que j'ai pas mal avancé, j'ai pas spécialement fait attention, gaffe aux arbres. Pendant que ça soit dans la grotte. Ça serait déconnant. Ça serait déconnant dans la grotte. Mais fou, j'arrive à aller là-haut, hein. Quelque part ici. En montant ici. Plus haut, de toute manière, par ici, on va pas plus haut. Ah, par contre, ça, je sais plus si je l'avais vu. Mais comment je vais là? Par en bas? Par en... Ah! Bah non, ça c'est la maison de Myrtille. Ouais, là. Là, est-ce que je suis allé, du coup? Ouh, pas du tout. Ouais, mais il y a plein de trucs là. Je suis où? Moi je suis là. Ouais, je suis là. Ok. Hop. Hop. On vient ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que je viens de trouver? Tu as obtenu oh, un style de pinceau. Il y a plein de... Ah oui, le paquet cadeau ici, c'est vrai qu'il y a aussi ça encore à récupérer. En bas, ok, il faut que j'aille tout en bas. Ah mais non, mais non, 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 attends, il y a peut-être des trucs que j'ai pas bien vus. Alors ici... Ouais, pas d'ordure. Et à quoi ça sert là?
Ça sert d'aller là-haut, rien. Des lunettes carrées. Voilà, au moins on aura tout exploré ici. C'est bien. On a bien vu. Enfin, ici plus rien. On avance dans les styles. Hein. Ouais, j'ai envie de tester ce style-là, j'aime bien. Celui-là, c'est pas fameux finalement. On va tester. Ah ouais, magnifique. Magnifiquement dégueulasse. Magnifiquement dégueulasse. Bon, par contre, ton adresse. À moins que ce soit vraiment dans ce parti-là que j'ai pas encore découvert. Ici, voilà, il y a un chat, mais faut que je sais pas y aller d'ici, je sais pas l'attraper d'ici le chat. Ça sert à rien, il va tomber ici. Ça sert à rien. Je sais pas comment aller là-haut. Là, j'ai l'impression que ça y a un cadeau. Ah non, ouais, si. Ah, faut aller voir les cadeaux en tirer, ça va pas être facile, hein, les trouver. Ah, mais par ici. On va repasser ici. Hop, voilà, j'arrive à un nouvel endroit. Hein. Oh d'accord, je vois le genre. Oh super. Oh le timing encore dégueulasse. Ah, super. Ah mais non, il y a moyen. Mais... Ouais. Tu restes, ok, je croyais qu'il fallait le timer bien. Tu es en diagonale? Mais il manque un champignon ou... Pas en diagonale. Là, tu fais un peu trop. Ah si, c'est là qu'il faut. Hop, voilà. Ah, et puis, oui, il faut qu'après que je refasse ça. Faut que je reprenne la bonne direction. Voilà. Ah, par contre tu montes après, ok. C'est pour monter ça. Ok. Hop, hop. Voilà, quel enfer. Mais ça ne m'aide pas à avoir à obtenir ce que je voulais. Un style de pinceau supplémentaire. Je suis où exactement? Ouais, donc je suis là, ça ne m'aide pas pour ce que je veux. Ça ne m'aide pas pour arriver ici, non. Ça ne m'aide pas plus. Je pensais que... Mais pas du tout, hein. Pas du tout. Y a rien qui me fera aller là-bas, hein. Ah, ça c'est con.
C'est là-haut que je dois aller, moi, le jeu, là. Tu te fous de moi, hein, le jeu? De ta faute de ma gueule, hein? Il se fout de moi, le jeu. Il m'empêche d'aller là où je veux. Ici. Et ouais, mais non. Ah bon, okay. Mais non, je pourrais y aller là-haut. C'est sûr, il faut que je descende un angle de par ici. Je n'ai pas vu parce que je savais pas avant. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Je savais pas venir ici avant. Ouais, carrément. On obtient le t-shirt éclair. Ok, on va appuyer dessus comme ça. On revient ici. Je peux venir par ici. Oh, mais je vais faire en gauche et en droite. Enfin, et en bas. Ouais, cool. Le manteau de ski. Ah, il y a un truc au sol là. Mais j'ai pas envie de descendre. Ah, il y a au sol là. Ah. Ah, mais ça peut grave, je vais redescendre de toute manière. Ah, mais du coup, je savais monter. Il y avait la plante là que je n'avais pas capté. Ah, mais je savais y aller tout simplement. Moi je trouve je galère à monter un endroit tout simple en fait. Ça c'est tout moi. Hein. Ça c'est tout moi. Hein. Où je peux regarder par ici. Fait que je reviens ici, la plante. Non. En bas. Hop, je viens ici. Ah, et voilà, on arrive à l'entrée, mais on va s'arrêter. Je vais m'arrêter ici, mais on arrive à l'entrée de la quatrième zone. Et là, il y a quelque chose. Attendez. Hop, hop. Attends, on va parler à Chicolas, je vais récupérer le cadeau que je vois qui brille au sol. Juste là. Oh, une fleur pinceau. Oh, une fleur carrément. On n'est pas une fleur pinceau. On va s'arrêter ici. Voilà, magnifique. Un magnifique fond en plus de ça. Tu viens de first try un boss sur Salt. Incroyable qu'il soit si nul. Mais non, c'est toi qui es trop fort. C'est pas... Enfin, il est peut-être nul aussi, mais tu es aussi forte, hein, sache-le.
Faut pas te rabaisser à ce point-là, et de rien pour le live. Alors, qui qu'on va envoyer? Ah ben, il y a Zorino qui est sur la Club TV. Il est sur du Uncharted Drake's Fortune Remastered. Apparemment, la dernière fois, ils l'ont obligé à jouer en difficile. J'espère qu'il continue, hein, sinon c'est de la triche. Voili-voilou. Il vient de lancer le live, hein, donc il est encore en starting. Ça va arriver bientôt. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça va bien, que ça vous a toujours plu. Ça veut dire que je pense que la prochaine fois, on termine le jeu, enfin l'histoire. On fait la quatrième, enfin la dernière épreuve, quatrième épreuve sur fin. Cinquième en vérité d'épreuve. Après, on combat la corruption et je suppose qu'il n'y a plus forcément grand-chose pour l'histoire principale. Hein. Bah, j'arrive ici où je me suis arrêté devant Chicorée, donc je dois aller faire le chemin pour la quatrième épreuve qui me reste. Donc je suppose qu'après, c'est combat en haut du temple de la peintre, enfin du temple des peintres là, et puis que c'est la fin du jeu, je suppose. Je suppose, je n'ai pas encore fait le jeu, je n'en sais rien, toi tu peux me le dire, mais je pense que la prochaine fois, on termine en tout cas l'histoire, il me semble. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, il y a peut-être après un retournement de situation qui fait que le jeu sera un peu plus long. Hein. En tout cas niveau histoire, peut-être que, je ne sais pas. Voili voilou. On a backseat, non, ne t'en fais pas. Attends, tu vois des joueurs qui galèrent à le battre en tapant du 120, tu frappes à du 28 et tu l'as éclaté. Ben, t'es trop forte, tu es trop forte. Mais je l'ai vu, oui, j'ai vu avec Biagio, ben, comme des trucs. Enfin, il y a des jeux quand j'y joue pas, je retiens pas. Enfin, il y a des passages, comme je l'ai dit, où on faisait le circuit, enfin on va dire un peu le courant avec les trucs noirs là, l'espèce de tache noire où il fallait soulever ou non les murets là. Ça, il y a des, on va dire, j'ai des, je m'en suis un peu souvenu, j'ai des flashs, des souvenirs de passage, mais j'ai tant que je joue pas au jeu, moi je retiens pas. Hein. Je retiens pas. Il faut que je joue au jeu pour retenir sur le moment et après j'oublie, mais il faut que j'ai joué au jeu pour retenir un minimum. Sinon je retiens pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Malheureusement, il n'y aura pas de live pour la suite cette semaine. Ça sera la semaine prochaine et c'est beaucoup trop tôt pour savoir quand je vais pouvoir continuer l'histoire, mais j'espère que ça sera pas. Ça sera, je suis lundi ou mardi, quoi. Ah, ben lundi, c'est férié, lundi. Lundi, c'est férié. Donc, ça serait lundi, en principe, le prochain live. Normalement, c'est lundi. Tu vois ce que tu veux dire. Et quand ils ont annoncé Cereza, t'as dit, encore dit, ah, on va jouer la fille de Bayonetta, alors que t'as vu. Alors que j'ai vu le jeu, tu connais le plot twist, mais ça t'était sorti de la tête. Ah oui, super. Bah c'est férié, oui, normalement, lundi. C'est quoi, attends. C'est l'Ascension, non? Ou Pentecôte? Je retiens jamais. Je retiens jamais. Lundi 29 mai. Je suis un peu perdu. En tout cas chez nous, chez moi, dans mon pays, hein. Dans mon pays. Ah, dans mon pays. 29. Pentecôte, c'est la Pentecôte, oui. C'est dimanche Pentecôte. Donc il y a le lundi de Pentecôte, c'est férié. Oui, c'est la Pentecôte, oui. J'ai dit quoi, Louis? L'Ascension, c'était celui qu'on vient de faire. Hein. C'était celui qu'on vient d'avoir. Donc oui, Pentecôte, lundi de Pentecôte, donc normalement on va pouvoir faire un live. Si tout va bien. Ouais, l'Ascension, ben, c'était le jeudi passé. C'était jeudi passé avec le pont qu'il y a eu vendredi finalement. Donc week-end de 4 jours que je viens d'avoir. Ça fait plaisir. Voilà. Non, lundi, normalement, si tout va bien, et on sait jamais, on croise les doigts s'il y a des annulations, ce genre de choses. Peut-être avant, mais je ne pense pas. Hein. Donc à lundi en principe. Et à ce soir pour d'autres personnes sur la PSTHC pour la suite de Harry Potter. Non, c'est faux, de Hogwarts Legacy. On est dans le monde de la magie. Bye bye tout le monde, merci d'être passé. À la prochaine. Et on n'oublie pas évidemment le petit raid, comme j'ai dit, pour la Club TV. Voilà, on a balancé moi la phrase. Le raid se prépare. Bisous, bisous. Bye bye tout le monde, à plus. Merci d'être passé. À la prochaine.